J'essaie d'être le plus carré aussi, que je ne suis pas scientifique. Et tout ce que je vais expliquer là, ça va être lié à partir des flux. D'ailleurs, ce que je vais présenter là, c'est une version longue. Vous allez le voir, version longue. Par exemple, qui ne connaissaient pas l'autre version, se dit que tu ne pas. En fait, j'en ai fait une à Lyon en mars, qui était assez généraliste. Et donc, celle-ci, comme j'avais un peu plus de temps, j'ai rajouté une deuxième une partie de conférence que j'ai faite à Paris sur les poissons. Et j'ai rajouté aussi quelque chose sur les insectes. Et donc, tout ce qui est la bibliographie, notamment la première conférence, est trouvable sur YouTube. Si vous prenez mon nom, la première conférence, il y a le lien pour la conférence, il y a le lien pour les 9 pages de bibliographie, comme vous avez fait. Et j'ai pas encore fait ça, les poissons, mais s'il y a des questions, n'hésitez pas à me réécrire. Donc, ça va, attendez au fond. Ok. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que l'écologie rapidement? C'est la science du comportement animal. C'est une science qui est née en 1854. Pour vous situer, l'évolution des espèces de Darwin est sortie en 59. Donc, en effet, quand l'écologie a commencé à se développer à partir de la biologie, on était encore dans une situation où le créationnisme était très présent et où l'évolution était quelque chose qui n'existait pas. Ensuite, l'éthologie a vraiment commencé à partir de 1910 et elle a voulu vraiment se poser comme une science pure. Donc elle a voulu éduquer au maximum l'anthropomorphisme, justement. Et donc, on a eu tout ce qu'on a vu courant béhagioriste, comportementaliste, qu'on a eu également en psychologie, dont le but c'était de ne même pas essayer d'expliquer ce qui se passait dans la tête d'un individu, que ce soit chez les animaux ou chez mais uniquement de voir par rapport à ce qu'on mettait à l'entrée, qu'est-ce qui arrivait à la sortie, de manière à avoir quelque chose de systématiquement reproductible en laboratoire. Le souci, c'est qu'avec ce refus total de l'anthropomorphisme, on s'est retrouvé à poser des questions à des individus qui ne faisaient pas sens pour eux. Et c'est pour ça que pendant très longtemps, on n'a eu aucun résultat. Parce qu'on posait des questions qui faisaient sens pour nous et qui ne faisaient pas sens pour les individus, animaux qui étaient testés. Et donc, ces derniers temps, on a beaucoup de nouvelles découvertes grâce à ça, justement, grâce à l'éthologie cognitive qui, là, prend en compte le processus psychologique, les processus émotionnels et accepte qu'il peut y avoir un processus à l'œuvre dans le cerveau des autres animaux. D'ailleurs, c'est un petit peu paradoxal de parler d'intelligence animale, parce que finalement, on est aussi des animaux, donc c'est juste un certain endroit sur le spectre, on va le voir. Comme ce que disait David ce matin, c'est qu'en fait, il n'y a pas de hiérarchie. Il y a des choses que vous allez plus ou moins développer par rapport aux situations dans lesquelles vous allez vous trouver. Votre environnement, votre pression sociale, votre pression de prédation, enfin, votre organisme. Et tout ça va avoir une incidence. Et donc il n'y a pas un qui est plus intelligent que l'autre, il y a juste des individus plus développés que l'autre. On va voir que dans certains domaines, certaines espèces nous dominent de très très loin, ont des capacités nettement supérieures. Et donc, quelque chose qui est en train de naître et qui est encore plus intéressant en matière d'éthologie maintenant, c'est qu'il y a un courant qui est en train de naître pour vraiment remettre en cause cette crainte de l'anthropomorphisme et qui se dirige de plus en plus vers, au contraire, prôner un anthropomorphisme critique. Et qui part du concept que, comme on a les mêmes bagages évolutifs, on verra après au niveau cérébral, en fait, le bagage est à peu près équivalent, il est assez logique que ce que nous on ressent soit ressenti au moins dans une certaine mesure chez les autres espèces. Donc on a le droit, finalement, partiellement, gardant un esprit critique, de commencer à raisonner sur certaines expériences en prenant en compte qu'ils pourraient ressentir la même chose. En plus, c'était en train de mais pendant longtemps, on se basait sur le fait de faire un comparatif par rapport à l'homme. Ça, c'est quelque chose dont on souffre encore pas mal. Un exemple simple, pendant longtemps, il y a une expression qui dit « avant, il servait d'oiseau ». On va vous dire que les oiseaux étaient complètement idiots. Sauf qu'on s'est rendu compte, pourquoi on disait ça? Parce qu'en fait, les oiseaux sont dépourvus de néocortex. Et on considère que le néocortex, c'est le centre des ressources cognitives supérieures chez l'humain. Et les oiseaux étant dépourvus de néocortex, les oiseaux sont des imbéciles par nature. Sauf que les oiseaux, ils ont un hyperphallium, qui est un équivalent néocortex, qui est un peu différent. Et on s'est même aperçu, il y a une étude qui vient sortir il y a 2 semaines ou 3 semaines, où on s'aperçoit en fait que les réseaux neuronaux des oiseaux étaient plus denses avec des liaisons plus pauvres, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui fait qu'en fait ils traitent l'information de manière beaucoup plus efficace que nous, mammifères. Parce qu'ils ont un cerveau beaucoup plus petit, et vous prenez les corvidés, on verra aujourd'hui, tout ce qui est corbeau, corneille, ils sont capables d'avoir de réaliser des poids cognitifs du niveau de chimpanzé avec un cerveau de la taille d'une noix. C'est parce qu'en fait leur cerveau est beaucoup plus dense, beaucoup plus compact, et plus efficace en fait.
opération Cambridge, dont vous avez tous dû entendre parler en 2012, qui étonnamment faisait l'impasse sur les poissons, à tort probablement, parce qu'on a beaucoup de découvertes des 3, 4, 5 dernières années qui tendent à bien faire entrer les poissons dans la catégorie reconnue par les personnes. Donc, du coup, on s'est retrouvé, et je rebondis sur ce que disait David ce matin, sur l'arbre à ce qu'on a eu pendant très longtemps. Donc, je sais qu'il aura fait du mal à l'instant, sur pas mal de sujets. Enfin, on a ce qui va être les plans, vraiment plus sur la minimale. Enfin, vous avez ce qui va être les protozoaires. Ensuite, les vertébrés inférieurs. Donc, si c'est les protozoaires, les invertébrés, les vertébrés inférieurs, les vertébrés supérieurs, et résultat subtil de l'évolution, l'humain en haut. Maintenant, on sait qu'on en est là, c'est un traitement. Donc, là, vous avez un cerf, sur le cerf, au centre, on a un individu fictif qu'on appelle Lucas, le Last Universal Common Ancestor, le premier ancêtre à toutes les espèces. Et ensuite, c'est tout ce qui s'est séparé au fur et à mesure selon les différentes époques. Et donc, on se rend compte qu'au niveau des animaux, également, on est dans la petite partie rouge qu'on voit là-bas, et on est un tout petit morceau, on a une toute petite partie rouge. Ce qui veut dire que pendant très longtemps, on a partagé, en fait, on avait un ancêtre commun et on s'est séparé très tardivement. Ce qui fait qu'il est assez logique, en fait, que tout ce qui existe dans notre cerveau se retrouve également dans le cerveau des autres espèces animales. Que ce soit chez les cerveaux des autres mammifères, que ce soit chez les oiseaux, mais aussi que ce soit chez les céphales des poissons. On s'aperçoit que leur cerveau est fondamentalement différent de nous, sauf que quand on remonte, on s'aperçoit par rapport au cerveau primitif, au cerveau ancien, les parties chez nous qui, par exemple, vont faire l'amygdale, qui gère beaucoup de facteurs émotionnels, et bien chez les poissons, cette même partie va faire un élément qui gère aussi la partie émotionnelle. Donc, même si le cerveau est différent, on se rend compte que les résultats sont assez proches. Alors voilà comment la conférence d'aujourd'hui va se structurer. En première partie, tout ce qui va être comprendre ses compétences, ensuite l'adolescence, et ensuite la partie âge adulte. Alors, pour se demander pourquoi j'ai divisé, enfin, pourquoi j'ai groupé enfance et compétences, la raison est simple, c'est que, on le verra après, il y a une espèce de bagage qui est assez commun et qu'à peu près toutes les espèces partagent. Et je le mets dans l'enfance parce que c'est quelque chose qui est quasiment inné, qui se développe avec le temps. Puisqu'il y a bien rangé quelque part. Alors, première chose, au sujet de la perception du monde. Pour comprendre que c'est très dur d'étudier les autres animaux et de s'éduquer. Essayer de comprendre ce qui se passe avec eux, ne serait-ce que parce que leur interface d'accès au monde est différente. Le biologiste Jacob van Oexküll parlait du le monde subjectif d'un individu par rapport à son interface d'accès au monde. Par exemple, il y a une étude qui a été faite, alors, on a plusieurs qui ont été faites l'année dernière, où ils ont testé chez des locuteurs humains la différence de raisonnement entre des gens qui parlaient anglais et des gens qui parlaient allemand. C'est-à-dire qu'on leur montrait une photo et on leur demandait de décrire ce qui se passait sur la photo. Et on s'aperçoit que les gens qui parlaient anglais avaient un mode de réflexion qui était plutôt basé sur l'action. Alors que les locuteurs allemands avaient un mode de réflexion beaucoup plus basé sur le but. Par exemple, les anglais allaient dire « c'est quelqu'un qui sort de chez lui qui marche », les allemands vont dire « c'est quelqu'un qui est en train d'aller quelque part ». Ils vont avoir besoin dans leur structure. Donc ça modifie déjà l'interface de réflexion. Et on s'est rendu compte, pareil, ça fait des tests entre les Japonais et les Coréens, où il y en a qui sont plus sur les détails, ou plus sur les concepts. On se rend compte que le langage a une grande incidence sur le raisonnement. Alors, je vous laisse imaginer quand on passe d'une espèce à l'autre. Vous prenez par exemple les pigeons. Déjà, vous avez pas mal de réseaux pour les pigeons qui fonctionnent en quadrichromie. Donc, ils ont quatre pommes dans les yeux qui leur permettent de voir, comme nous, les couleurs primaires, plus l'ultraviolet. Et par exemple, pour un pigeon, si vous avez un t-shirt rouge, qui contient l'ultraviolet et un t-shirt rouge qui contient pas l'ultraviolet, pour vous c'est la même couleur. Pour un pigeon, avec l'ultraviolet et sans l'ultraviolet, c'est deux couleurs complètement différentes. Autre chose, par exemple, on sait que, je vais rester sur les pigeons, comme on le disait tout à l'heure, leur cerveau fonctionne plus vite que l'autre, donc ils gèrent l'information plus vite, le monde est plus lent pour eux. Pour les pigeons, c'est à peu près trois fois plus lent pour nous. C'est ce qui explique pourquoi les pigeons démarrent tard devant les voitures. En fait. Et pour eux, la voiture arrive beaucoup plus lentement. L'autre chose, c'est qu'on sait aussi que les oiseaux des villes connaissent à peu près les limitations de vitesse. vous prenez des animaux comme l'ornithorynque, il y a un capteur électrique à la base du bec qui lui permet de ressentir les impulsions électriques provoquées par les muscles des autres individus qui se déplacent dans l'eau. Je vous laisse imaginer la relation de l'univers avec ça. Chez les poissons, il y a des choses qui sont intéressantes. Alors là, par exemple, le poisson éléphant avec ses capteurs électriques,
Vous avez deux grands types de poissons électriques. En gros, il y a ceux qui s'en servent pour communiquer et pour se repérer dans l'espace, donc à courant faible, ce qu'on a ici, un poisson éléphant. Et puis vous avez ceux qui s'en servent aussi pour taper dans les proies, notamment les ondes électriques. Et eux utilisent justement des charges électriques pour repérer leur environnement également. Donc ça donne un effet de jeu fait différent. Les poissons éléphants font des cartes tridimensionnelles de leur univers. Et si vous leur supprimez leur gaine électrique, ils sont quand même capables d'avoir mémorisé en 3D dans leur tête. Ils ont une carte 3D tridimensionnelle complète de l'oiseau grâce à ça, par exemple. Donc c'est vraiment une perception très différente. Les poissons possèdent également l'organe de la ligne latérale, qui est sur le côté, qui leur permet de sentir la pression d'eau. Par exemple, les poissons en blanc, qui réagissent très vite, c'est grâce à ça qu'ils réagissent. Alors, ça a d'autres sens, parce qu'ils servent aussi bien à vue, ce genre de choses. Mais en fait, ils sentent le poisson à côté bouger, donc ils bougent immédiatement par la pression de l'eau, de cette ligne latérale. Et donc, tout ça est aussi couplé, pour revenir sur la notion de Moonbase, avec tout ce qui est pertinent et non pertinent. Par exemple, il y a des choses qui, pour vous, vont être pertinentes et qui ne sont pas pour quelqu'un d'autre. Et vice versa, c'est tout ce qui va créer des filtres qu'on va avoir par rapport au reste. Par exemple, il y a quelque chose qui va être pertinent dans le monde de la foule qui ne sera pas pertinent pour nous. Et vice versa. Par exemple, je vais citer une étude comme ça qui est marquante. Ils avaient voulu faire un test avec des éléphants pour savoir si les éléphants utilisaient des outils. Ils mettent un éléphant dans une salle et ils accrochent un régime de banane en hauteur et lui donnent un bâton. Et ils devraient utiliser le bâton pour enlever le régime de banane. Et aucun des éléphants n'a réussi ce test. Résultat du test, les éléphants n'utilisent pas les outils. Alors, c'est très bien dans la vie sauvage qu'ils veulent. Et d'autres scientifiques se sont dit, oui, mais la question est mal posée. Et du coup, ils ont fait différemment. Ils ont laissé l'éléphant avec différents objets, donc une grosse boîte. Et en fait, l'éléphant a poussé la boîte dessous et monté sur la boîte pour récupérer la jupe de banane. Et en fait, la raison, elle est souvent, c'est que leur trompe leur sert d'organe pour sentir et pour goûter. Et comme ils n'avaient pas accès à leur trompe en utilisant le bâton, ils ne pouvaient pas savoir si c'était intéressant d'y aller ou pas, donc ils ne l'ont pas fait. Donc pour nous, ça semblait pertinent parce que nous, on utilise des outils avec une main. Pour eux, ça n'était pas. Donc il y a tout ça qui rend aussi très compliqué toutes ces études et le fait de comprendre ce qui se passe pour les autres animaux. Et ça, il faut toujours garder en tête. C'est qu'avant de supposer qu'on sait ce qui se passe pour eux, il faut prendre en compte qu'il y a des choses aussi qui nous apparaissent pas et qui sont vraiment saillantes pour eux. Et l'inverse, ça va également. Alors, ensuite, je vais passer sur la partie boîte à outils universelle, justement. Ça, c'est des choses qui sont un peu innées. Alors, c'est quelque chose que j'ai pris au biologiste Mark Hauser, la boîte à outils universelle. Mark Hauser, dans un concept, il y a trois grandes choses que toutes les espèces possèdent. C'est la capacité de se repérer dans l'espace, la capacité de catégoriser et la capacité de dénombrer. Oui, les mathématiques aussi. Pour avoir pas mal creusé, j'en ai rajouté deux, c'est un peu présomptueux de me rajouter sur son travail, mais j'ai rajouté aussi la notion du temps et la pensée conceptuelle. Je vais expliquer juste après. Donc première chose, en matière de mathématiques, on n'est pas du tout les seuls à avoir des capacités mathématiques. En fait, c'est extrêmement répandu. On le retrouve même chez les araignées. Par exemple, l'araignée que vous voyez là, ce sont des défiles, ce sont des araignées qui vivent en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Et les expériences pour vérifier leur capacité numérique ont consisté en fait à mettre des proies sur leur toile et ensuite à enlever les proies. Ensuite, on comptait le temps qu'elles mettaient à chercher les proies, l'intensité avec laquelle elles le faisaient. Et on s'apercevait que plus on enlevait des proies, plus l'intensité augmentait, plus le temps de recherche devenait long. Ils ont testé avec différentes grosseurs de proies, différents trucs comme ça. Avec les abeilles, on l'a vu aussi, alors il y a plusieurs études, il y en a une qui date de 1993, je crois, la dernière, peut-être de 2008. Où, à la sortie de la ruche, alors on va parler de la dernière, parce que c'est la plus faible, en sortant de la ruche, ils mettent un cube, et dans ce cube, ils mettent 4 points de repère, qui sont tous parfaitement identiques. Sauf que ces points de repère vont changer d'espacement régulièrement. Il faut que les abeilles comprennent qu'après le troisième point de repère, il y aura une récompense. Il faut qu'elles s'arrêtent après le troisième point de repère. Et on fait en sorte qu'elles ne puissent pas mémoriser le nombre de battements d'ailes, qu'elles ne puissent pas mémoriser toutes ces choses-là, mais que ce soit vraiment le fait de pomper les différents objets. Et on s'aperçoit qu'elles le font très bien, puisque quand on enlève la récompense, les abeilles s'arrêtent quand même. Après le troisième, ils cherchent à se rendre là. Quand on fait avec deuxième, on se rend compte que ça marche également. S'ils changent le type de point de repère, ça marche également. Ils ont essayé de le faire avec des systèmes opaques, en fait, avec des plaques qui étaient comme ça, mais les abeilles étaient obligées de se fermer, de manière à ce qu'on ne puisse pas dire qu'elles regardaient d'avance, mais qu'elles comptaient bien au fur et à mesure. Et effectivement, ça marchait encore très bien. Les abeilles étaient capables systématiquement. On le voit chez les poissons aussi. Par exemple, les poissons que vous avez là en photo, ce sont des gambusies. Et chez ces poissons, c'est des poissons qui aiment bien vivre en banc. Et c'est pareil, si on leur donne le choix d'aller dans un endroit où il y a plus ou moins de membres, eh bien, ils vont aller se diriger
préférentiellement là où il y en a le plus. Ah, à une unité près, ils sont capables de se repérer. On sait que les poussins, des poules sont également capables, dès la naissance, de se repérer et de choisir. Si vous mettez des jouets derrière les plaques avec un nombre de points qui représente le nombre d'objets, ils vont systématiquement diriger là où il y en a le plus. Et donc ça a été extrêmement travaillé, c'est-à-dire qu'on a fait attention que ce ne soit pas juste la superficie qui prenait les objets, ils ont bien fait en sorte de travailler sur l'air de représentation qu'avait chaque point, de manière à ce que ce soit vraiment du calcul. Et d'ailleurs, avec les poussins, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont même montré qu'ils étaient capables de faire des soustractions, des additions. Si vous les mettez avec ces plaques-là, par exemple, là, il y a 5, alors les poussins aiment bien jouer avec les capsules Kinder. Donc, j'ai fait une case à 5 capsules Kinder derrière là, 3 derrière l'autre, et ensuite, toujours masqué, on va leur montrer, on en enlève un ici. On enlève un là, on enlève un là, et bien en fait, les poussins ne se trompent pas, ils sont capables de revenir systématiquement sur ce coup, il y en a plus. Et on a même des mathématiques de base avec addition soustraction chez les poussins qui viennent de mettre. On le trouve chez les oiseaux aussi. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est la latéralité. La photo qu'on voit là avec le poussin, c'est pas du tout une part de mathématiques, c'est une expérience sur la latéralité des nombres. On se rend compte que chez les humains, en fait, on a un ordre logique de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de gauche à droite. Après, ça peut être changé, on ne sait pas si c'est inné ou si c'est éducatif culturel, parce que les gens qui sont nés dans les pays arabes, eux, dans cette version-là, on a assez. On se rend compte que les poussins fonctionnent pareil. C'est-à-dire que si vous leur donnez le choix de, par exemple, là, on a 2, 4, 6, 8, si vous leur donnez le choix 2 fois 8, 8 étant au-dessus d'un certain seuil, ils vont plutôt se diriger sur la droite, parce que les grands nombres savent plutôt sur la droite des petits nombres sur la gauche. On se rend compte que ça existe aussi chez l'humain. Ensuite, la deuxième partie. Mémoire et repérage. Alors, la mémoire, on est très loin d'être des meilleurs de tout. Très loin. Que ce soit sur la mémoire à long terme ou la mémoire à court terme, je pense que tout le monde à peu près reconnaît la vidéo que je m'en prête à faire passer avec Ayumu, le charpentier qu'on voit sur le côté. Donc Ayumu, c'est un chimpanzé qui est étudié dans un laboratoire au Japon. En fait, le projet s'appelle le projet AI, AI c'est sa mère. Et ils ont fait tout un tas de tests sur les nombres, sur ce genre de choses. Et ils ont fait une expérience suivante pour vérifier la mémoire à court terme de ce primate. Donc ils appuient sur le bouton et sur l'écran vont s'afficher des chiffres qui vont de 1 à 10, qui vont apparaître aléatoirement dessus. Lui, il doit les remettre dans l'ordre. Là, vous allez me dire, jusque-là, il n'y a rien de bien sensible. Sauf qu'assez rapidement, ils vont s'éteindre et être remplacés par des carrés qui font en fait devoir. Et ensuite, la Yoru doit les remettre dans l'ordre. De mémoire. Et pour ceux qui connaissent pas la vidéo, je vous le défie de réaliser ce que vous avez cerveau du chauffeur de taxi augmenter également.
Mais ça ne se limite pas à ces individus-là, puisque au niveau de la mémoire, même les poissons rient en fait. Alors, le poisson rouge, on entend souvent comme étant le parent bon de petite mémoire ou d'orite. Alors, les études à ma connaissance se sont arrêtées sur 6 mois, c'est pour vraiment été cadré. Pendant 6 mois, ce qu'on avait donné aux poissons à mémoriser, ils l'ont mémorisé. Il y en a d'autres qui sont un peu plus ambitieux, qui ont duré un an, je pense notamment à l'émission Mythbusters, qui ont essayé de faire ça avec un poisson rouge, ça a duré pendant un an, il avait bien mémorisé. Et maintenant, vous avez aussi le champion de catégorie, le poisson que vous avez, c'est un coquin d'orbat. Alors, eux, ils sont étudiés depuis. C'est, je crois que la première étude que j'ai dessus, je n'ai pas marqué, j'ai été 47. Donc c'est ça, là c'est le dessin que vous avez au milieu, il est tiré de la première étude, et c'est ça, c'est les années 50, c'est un peu avant les années 50, et même encore maintenant ils sont étudiés. Et donc en fait, le gobie, c'est un poisson qui, c'est un poisson côtier, et à marée haute, il va regarder comment est fait le sol, et mémoriser la topographie du sol. À marée basse, ensuite il va vivre dans les flaques. Puis, il est capable, de mémoire, de sauter d'une flaque à l'autre pour rejoindre la mer. Et si jamais vous le prenez et vous le déplacez à un autre endroit, il est capable de revenir dans sa plaque initiale sans jamais se tromper. Et ils ont fait tout un test pour savoir si c'était vraiment de la mémoire ou si par exemple il sautait, il repérait rapidement. Les gens, ils battaient avec cette nageur pour se diriger. C'est pas du tout le cas. S'il le travaille, et en fait ils ont fait des plages artificielles pour tester ça, mais si on met dans un endroit qu'il ne connaît pas, tout ça, il ne bougera pas. Et il va se souvenir pendant une durée, je crois que c'est 6 mois. C'était pendant une durée de 6 mois qu'il est capable de faire. Ensuite, au niveau du repérage, ça va même jusqu'aux fourmis. C'est-à-dire que ce soit les fourmis ou les crabes, ils utilisent différents systèmes pour se repérer. Par exemple, ils ont ce qu'on appelle ils créent des trajets vectoriels. C'est-à-dire qu'ils savent qu'à partir de ce point-là, je vais dans cette direction. À partir de ce point-là, je vais dans cette direction. Par exemple, vous avez des fourmis qui font des bibliothèques d'images. Et donc, elles vont aller à un endroit, mémoriser l'endroit et savoir qu'à partir de tel endroit, on part dans tel endroit. À partir de tel endroit, par tel endroit. Ce qui fait que dans une zone, si vous prenez la fourmi et que vous la mettez ailleurs, si c'est une zone qu'elle connaît déjà, elle va repérer l'endroit où elle était, se rappeler de la photo où elle était, et clac, clac, elle est dans la bonne direction. Elles sont capables de se diriger avec plein d'autres choses, des fourmis peuvent se diriger avec les étoiles. Yes. J'ai essayé sans GPS, ça marche pas. Mais voilà, vous avez beaucoup de systèmes différents, qui utilisent beaucoup de sens différents, aussi le nombre de pas dans une direction. Et d'ailleurs, le crabe que j'ai dit là, le crabe violoniste, on s'est aperçu qu'il était capable aussi d'anticiper les trajectoires des autres. C'est-à-dire que les crabes violonistes, s'ils voient un autre crabe, en fait, ils aiment bien se piquer leur nid les uns les autres. Et un crabe violoniste qui va voir un autre crabe en train de marcher, comprend qu'il est en train de marcher en direction de son nid, que ça correspond au vecteur de son nid, et que donc lui, il va essayer de pouvoir aller plus tôt à son nid. Enfin, c'est un truc d'organisme. Ensuite, tout ce qui traite de la notion du temps. Alors, pareil, la notion du temps existe également dans le règne animal. On le retrouve de différentes façons. Par exemple, on sait que des chimpanzés, on trouve qu'ils passent vers des fruits qui ne sont pas mûrs, mémorisent ces fruits-là et reviendront après une certaine période d'humidité et de chaleur, sauront que ces fruits sont devenus mûrs. Et reviendront les chercher à ce moment-là. Les cochons font pareil. C'est-à-dire qu'un sanglier qui a vidé, on va dire, une zone, il n'y attendra pas un certain temps parce qu'il sait que cette zone-là, il n'y a plus rien pour l'instant. Les poissons, il y a certaines espèces de poissons qui font ça également. Mais dans les études qui sont vraiment intéressantes, vous avez celle de Nicolas Clayton avec les jets buissonniers qu'on voit ici. En fait, elle voulait savoir si les jets sont capables de prévoir le futur, de prévoir ce qui va se passer dans l'avenir. Enfin, le futur, mais prévoir ce qui pourrait se passer. Donc l'expérience est la suivante. Comme vous pouvez le voir là-dessus, la volière est séparée en trois tronçons. C'est le milieu, ils ont la nourriture toute la journée. Et la nuit, on les met soit dans celle de gauche, soit dans la partie gauche, soit dans la partie droite. Et il y en a une qui aura la nourriture au petit déjeuner, et l'autre qui n'aura pas la nourriture au petit déjeuner. Et la question, c'est, une fois qu'ils auront vécu la privation du petit déjeuner, est-ce qu'ils vont être capables de faire des provisions? Et bien, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que le premier jour, on leur laisse l'accès aux trois volières, on se rend compte que tout va bien. Le deuxième jour, on les met dans une où il y a du petit déjeuner, bon, ben, tout va bien. Et puis le troisième jour, on les met dans celui où il n'y a rien à manger, ben, vous pouvez être sûr que la journée qui suit, ils vont tout remplir et tout stocker dans celui où il n'y avait rien à manger, en prévision justement. Puisqu'ils ont compris qu'ici, il n'y avait rien à manger, que ce soir, ils risquaient de se retrouver dans cette partie-là. Donc, ils vont aller mettre à manger là-dedans. Mais dans la même idée que ce que je racontais avec les chimpanzés, on s'aperçoit aussi que les jets buissonniers sont capables de cacher, d'aller chercher ce qu'ils ont caché par rapport au degré de périssabilité du produit.
D'ailleurs, par exemple, si ce sont des vers, ils savent que s'ils cachent des vers et des noix, les vers auront une perceptibilité plus courte que les noix. Donc ils vont commencer par les noix, commencer par les vers, pardon. Puis après par les noix. Mais s'ils se rendent compte qu'il y a un vers qui est avarié, ils vont attaquer les vers et passer tout de suite sur les noix. Et dans les études, ils ont essayé de travailler justement à faire des durées de perceptibilité artificielles pour vérifier si les gènes étaient capables d'apprendre une nouvelle durée. Et effectivement, ils l'apprennent très bien. L'autre cas de prévision qui est intéressant, c'est celui de l'avant-nettoyeur. C'est une histoire dont vous avez peut-être déjà entendu parler, parce que je crois que toi tu l'as raconté en conférence, elle est partout parce qu'elle est magique. C'est une étude de Raymond Pierre-Louis et d'une primatologue dont je n'ai plus le nom. Et donc, c'est des expériences comparées pour essayer, de plus en plus on fait ça, on essaie de comparer les espèces pour essayer de comprendre qu'est-ce qui diffère dans la façon de raisonner. Et donc, on a fait une expérience qui mettait en jeu un lavabo nettoyeur, vous avez en photo ici, un sage calcul simple, un calcul simple, un orang-outan et un chimpanzé. Et donc, on leur a présenté deux assiettes qui avaient des couleurs différentes. Une assiette était temporaire, c'est-à-dire qu'elle allait rester un certain nombre de temps, plus ou moins. L'autre assiette est permanente. Le but du jeu, comprendre qu'il faut commencer par celle qui est temporaire pour pouvoir ensuite aller chercher celle qui est permanente. Et donc, on a soumis, j'ai oublié de le dire, il y avait aussi un humain dans le jeu, puisqu'il y avait la vie qui était déjà. C'est pas le singe calcul simple qui a compris en premier qu'il fallait commencer par l'assiette temporaire. Le singe calcul simple, il y avait très très longtemps à comprendre. C'est pas non plus longtemps. Donc il nous reste le chimpanzé, l'humain et le poisson. La fille de Redon Charlie, elle n'a jamais réussi. Effectivement, pour le chimpanzé et le poisson, c'est le poisson qui, le premier, a compris qu'il fallait commencer par l'assiette temporaire. La raison est simple, c'est que les larves nettoyeurs, on le verra tout à l'heure, ont une vie très riche et qu'ils ont besoin de comprendre beaucoup de signaux très vite et de comprendre un élément changeant très rapidement. Quand on parlera de la société tout à l'heure, on verra qu'il y a beaucoup d'interactions tout le temps, il y a beaucoup de comportements qu'ils doivent analyser et c'est forcément des poissons qui réagissent très vite. Et ensuite, ils sont amusés à inverser le jeu, c'est-à-dire la couleur qui était temporaire devient la couleur permanente devient la couleur temporaire. Je vous laisse deviner qu'ils ne sont pas réessayés avec la fille de néanmoins, une fois de plus, c'est le labre qui a compris en premier que la règle était changée, qu'il fallait commencer par l'assiette temporaire. Et au niveau de la notion du temps, ça ne s'arrête pas que sur cette espèce-là, ça a même été démontré chez les mouches du fruit. Vous voyez, les petits moucherons que vous avez à vos fruits, qui est une espèce extrêmement étudiée. Eh bien, on peut habituer une mouche du fruit à venir manger à telle heure de la journée à tel endroit, et à telle heure de la journée à tel autre endroit. Des abeilles, on peut. Alors, je parlais tout à l'heure d'expérience d'idées conceptuelles chez les abeilles, mais on peut leur apprendre que telle réponse est valable le matin, mais elle n'est plus valable l'après-midi, c'est une autre réponse qui devient valable l'après-midi. Les abeilles comprennent très bien ça. En fait, ça fait la partie des espèces qui le comprennent le mieux. Et ça paraît très chez les fourmis. Alors, en ce qui concerne les catégorisations et résolution de problèmes, je parlais des abeilles. Les abeilles sont assez douées en catégorisation aussi. Des chercheurs ont travaillé à montrer à des abeilles des photos et elles devaient les butiner dessus pour. Bon, c'est un peu compliqué le protocole, je ne vais pas rentrer en détail. Mais en gros, elles sont capables de catégoriser, par exemple, toutes les fleurs d'un même type, toutes les fleurs d'un même autre type, tout ce qui va être des paysages. Alors, l'étude avait été faite sur 5 catégories différentes. Il y avait 2 types de fleurs avec des formes différentes, il y avait des paysages. Je ne sais plus ce qu'étaient les autres catégories, et les abeilles arrivaient très bien à catégoriser, arrivaient à scinder le montant, ça c'est tel type de fleur, ça c'est tel type de fleur. On a montré lors des photos d'études sur les pigeons sont des as de la catégorisation, puisque ça c'est une étude du professeur Wasserman qui a été parue récemment, celle-ci, 2015, c'est une étude vraiment récente celle-ci, où on a demandé aux pigeons d'indiquer sur un écran si une photo qu'on leur montrait, ça se voit par exemple deux chiens. Et de l'expliquer pour dire est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est pas la même chose. Pourtant, les chiens, vous avez vraiment des races qui diffèrent énormément d'un point de vue de la physique. Et là, les gens sont tout à fait capables de dire que ça, c'est deux chiens, ça, c'est deux fleurs, ça, c'est deux personnes. Et en plus, là encore, on voit qu'on a du mal à leur poser des questions qui font sens pour eux. Si vous arrivez à avoir des catégories, c'est voiture, chapeau, clé, avion. Vous avez des choses qui existent dans leur univers. Vous en avez très peu, en fait. Alors, même s'ils vivent dans les villes, ça fait partie un peu de leur univers. Voilà, c'est tout très commun. Et ce qu'on voit à côté sur la droite, c'est qu'ils ont essayé de voir si les pigeons étaient capables de faire des sous-catégories. Et là, ils sont capables de se rendre compte que finalement, on n'est pas en train de catégoriser par, je ne sais pas, photo d'humain, mais par couleur de vêtements. Et bien, ils sont aussi capables de faire des sous-catégories dans les différentes catégories.
Donc c'est très important qu'on comprenne que la règle, c'est plus les couleurs, mais tout ce qui est jaune, c'est exactement tout ce qui est jaune. Il faut juste qu'au fur et à mesure, qu'ils ne comprennent pas. En gros, les protocoles, c'est des essais-erreurs. Ils essayent, ils n'ont pas la récompense, ils comprennent que ça ne marche pas, puis au bout d'un moment, ils comprennent la règle du jeu. Là, on lance la recherche. En ce qui concerne la résolution de problèmes, j'ai pris comme exemple un corbeau feu qu'on a sur la photo là, parce que c'est vraiment les monstres là-dessus. Quoi. Et donc, il y a une fable des hommes qui était intéressante qui disait qu'il y avait un corbeau, une corneille, je ne sais plus, assoiffé, qui voyant l'eau dans un tronc d'arbre qu'elle n'arrivait pas à atteindre, prenait des cailloux et les mettait dans le tronc d'arbre de manière à faire monter l'eau. Et pendant longtemps, on a limité ça à la fable. On s'est dit, bon, c'est une fable. Jusqu'à ce qu'on le teste. Et ils le font. Si vous mettez une éprouvette avec de l'eau dedans et un petit verre à côté, le corbeau va essayer de l'attraper. S'il voit qu'il ne l'attrape pas, lâche l'affaire. Si vous lui mettez des petits cailloux à côté, il va y prendre des petits cailloux et faire monter le niveau de l'eau avec les cailloux. Ça va récupérer le verre. Mais il y a aussi une notion physique. C'est-à-dire qu'ils se sont amusés à faire pareil avec du sable. Le deuxième point, avec du sable et un verre, et l'autre avec de l'eau pour voir si le corbeau va essayer de mettre contre le panneau. Il n'essaye pas. Ouais, il y a certains spécimens qui ont essayé, certains individus qui ont essayé, ils ont mis un petit cailloux, machin, il n'a pas bouffé, donc ils sont arrivés à mettre de l'eau. Si vous leur donnez des galets plus gros, ils vont préférentiellement choisir des galets gros pour gagner du temps, pour faire monter le niveau plus rapidement. Ils avaient fait l'expérience aussi avec, il fallait mettre de l'eau là pour faire monter là. En fait, il y avait un but de ce qui était monté. Et les corvidés sont vraiment des génies au niveau de la résolution. Il y avait un documentaire que j'ai vu, je ne sais pas plus donner le nom, mais. En fait, il y avait un système de puzzle en forme de boîte et de façon coupée russe, des boîtes dans des boîtes dans des boîtes dans des boîtes. Et ils voulaient faire des tests entre un jeune humain, des chiens et un corbeau. Donc là, c'était les grands corbeaux, corbus thorax, c'est-à-dire la version postale. Et donc, ils avaient laissé au départ les différents individus se familiariser avec les différents éléments qu'ils jouaient avec. Et puis à la fin, pour lesquels ils sont tous en train de les uns dans les autres et ils ont donné. Différents individus. Alors le gamin il a mis, je ne sais plus s'il a réussi à l'ouvrir. S'il a réussi à l'ouvrir, c'est au moins une demi-heure. Les chiens n'ont pas regardé la boîte. Le corbeau, ils ont passé la vidéo au ralenti. Voilà. Moi j'ai une expérience comme ça avec des kits. Où à l'époque, alors je n'étais pas vegan ou quoi que ce soit à l'époque, mais je nourrissais les oiseaux qui en ont ouvert et je mettais des boules de graisse pour m'infiler. Donc je les accrochais sur une petite branche d'arbre, une moins bien. Et puis je me rendais compte que régulièrement les filles étaient et elles partaient avec. Parce que je retrouvais les filles au bas des grands cyprès dans lesquels elles étaient. Donc je me suis dit, bon, je ne veux plus mal. Donc je les ai enfoncées un peu plus loin sur les brindilles. Et j'en ai pris une sur le bec, et en fait le poney me faisait glisser tranquillement le bout du truc. Jusqu'à ce que je me suis dit, bon, je vais pas quand même. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai fait un système pour le verrouiller à la base de la branche et faire en sorte que justement, en verrouillant comme ça, il y avait des branches qui allaient bloquer le passage et elles ne pourraient pas le faire glisser. Elles se sont mises à deux, elles ont coupé la branche à la base. Ça ne s'arrête pas là. J'ai acheté, vous connaissez peut-être, c'est des plaques de bois dans une petite maison comme ça, avec un trou à l'intérieur, mettez la boule de glace, vous passez une vie et ça bloque la boule de glace au centre. Je me suis dit, avec ça, avant qu'elles arrivent à l'enlever, une journée. Elles sont arrivées sur le côté, elles ont fait des billets, elles sont sorties. J'ai abandonné, elles sont bien. Voilà. Alors ensuite, en matière de compréhension des concepts, alors j'ai rajouté ça très récemment, puisque j'ai vu une étude passer où il disait que les poussins canards, les petits canards, à la naissance, les canetons, sont capables de comprendre les notions de pareil et de différent. Et tout le monde était complètement scotché par ça. Et bien les abeilles aussi le font en fait. Les abeilles sont capables d'avoir les notions de concept de pareil, différent, au-dessus, en dessous, à gauche d'eux, à droite d'eux. Alors comment fonctionne ce système? Alors là, on a un exemple. Donc vous avez les imprimantes en ligne. On leur met le stimulus d'entrée, par exemple là c'est un rond jaune, et si on veut qu'elles aillent sur le même stimulus, eh bien il y aura une récompense sur le rond jaune et il n'y en aura pas sur le rond bleu. Et donc là, il faut qu'elle comprenne que c'est toujours le même que celui qui est à l'entrée. Et si on veut que ça soit différent, dans ce cas-là, la récompense, qui en général est une boule de sucre, sera de l'autre, sur l'autre côté. Donc elles comprennent en général assez rapidement ça, mais là on va dire, oui, elles peuvent tous mémoriser cette histoire de couleur, tout ça. Donc ce qu'ils font, c'est qu'à la dernière phase, il n'y a plus de récompense et on change le stimulus. C'est-à-dire qu'elles sont appelées par exemple avec jaune-bleu.
Et à la fin, on va leur mettre des motifs abstraits, comme on peut voir là, avec par exemple des traits blancs et noirs. Donc par exemple, il y a les stries blanches horizontales, il y en a d'autres verticales, il faut qu'ils comprennent si la veille a compris la notion de pareil ou différent, bah, si c'est pareil, il faut qu'elle aille dans le même motif que celui qu'elle a vu, et différent, pareil. Et on se rend compte qu'elles arrivent très bien à le faire. Si on leur fait la notion de à gauche, à droite, par rapport, c'est le même type de labyrinthe, elles le font aussi. Ce qui est encore plus dingue, c'est qu'elles sont capables de le faire aussi en transposant d'un sens à l'autre. C'est-à-dire si on leur a appris par la vue à différencier, par exemple, il ne faut pas aller sur le jaune ou sur le vert, si vous leur faites le même exercice mais avec des odeurs, et bien elles vont comprendre qu'il faut qu'elles aillent sur l'odeur qui est différente de celle qu'elles ont sentie à leur vue. Donc il y a vraiment un réel pensée conceptuelle derrière. Le cerveau d'une abeille, c'est à peu près une graine d'herbe. Et elles ont toutes ces notions-là. Alors, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce matin sur la personnalité, alors on va plus parler d'identité. Mais c'était cette partie-là sert surtout, on entend souvent que, et c'est considéré aussi dans les élevages et tout comme ça, que les individus des autres espèces ne sont pas très flexibles et que finalement ils sont tous un peu interchangeables, ils ont tous un peu le même type de fonctionnement, même type de personnalité. C'est pas vrai du tout, vous avez énormément de types de fonctionnement par individu. On l'a montré chez les fourmis, vous avez des fourmis qui travaillent, qui ne travaillent pas, vous avez des feignantes, vous avez qui augmentent la cohésion du groupe, c'est tout le bordel. Il y en a qui n'aiment pas trop sortir, alors ils sont plutôt rangés. Parce que vous en avez qui font des petites toilettes, comme ça, dans les chez les cafards, ce qu'on voit, c'est une étude qui a été faite sur les cafards. Sur les cafards, on voit qu'il y a des individus qui sont plutôt farouches et d'autres qui sont plutôt téméraires. Alors, comment ça, en quoi ça consiste? En gros, vous les mettez dans un. Vous les mettez dans un terrarium dans lequel, donc en général, ils aiment bien l'obscurité, parce qu'ils sont plus à l'abri. Donc, on met une lumière assez forte et un cache à un endroit. Et donc, ceux qui sont plutôt pratiques vont rester dans la partie qui est à l'ombre, ceux qui sont plutôt téméraires vont sortir. Et on se rend compte qu'il y a des individus qui sortent, et si il n'y a pas un groupe, ils vont passer tout leur temps dans la lumière, alors qu'il y en a d'autres qui vont passer tout leur temps plutôt à l'ombre, qui eux sont plutôt pratiques. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une conformité sociale qui se crée, puisque si vous mettez pas mal de cafards, ceux qui sont plutôt téméraires vont se balader dehors, mais rapidement, il va y avoir un consensus pour se remettre sous la partie obscure. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il existe un modèle en psychologie humaine, le modèle océan, qui est un modèle en fait, qui sert à en gros définir les grandes lignes de psychologie des personnes. Donc, pourquoi océan? C'est l'acronyme O. C'est ouverture, c'est-à-dire le fait de facilement aller essayer des nouvelles expériences. C'est, alors en français je ne sais pas ce que ça donne, c'est consciousness, en anglais c'est être consciencieux. C'est le fait d'être vraiment consciencieux dans ce qu'on fait. Le E c'est l'extraversion. Le A c'est l'agréabilité, bon, même si ce n'est pas très français. Et le N c'est le neuroticisme, c'est-à-dire le fait d'être facilement soumis à des émotions négatives. On s'aperçoit que quand on applique ce modèle à d'autres espèces, et bien en fait, il prédit assez bien les amitiés, les amours, on en parlera tout à l'heure quand je parle des amours, et on se rend compte que quand il y a des traits de personnalité qui se rapprochent, on se rend compte que ces individus-là ont plus tendance à être amis par ces traits justement ces traits de personnalité qui sont proches. Et on sait aussi que le développement, c'est-à-dire l'ontogénèse, le développement historique d'un individu, va avoir une énorme incidence sur qui il va devenir quand on disait que la personnalité bougeait au fur et à mesure du temps. Mais là, on a un exemple. Par exemple, il y a une histoire qui est racontée dans le livre Animal Madness, qui parle d'un bonobo qui s'appelle Brian. Et en fait, c'est un bonobo qui avait été élevé en laboratoire avec son père pour des expérimentations. Et le problème, c'est que ça, c'est des sociétés très soudées, des sociétés matérielles, donc ça se passait. Ils ont été séparés du groupe, du coup, et ça se passait vraiment très mal. Le père de Brian était devenu complètement fou. Et l'agresser systématiquement, le violer systématiquement. Et donc, les scientifiques ont eu peur pour la vie de Brian. Donc, ils vont séparer le groupe, enfin, ils vont séparer son père plutôt, et ils sont allés mettre dans un sanctuaire ou un parc zoologique, mais où ils étaient habitués à réhabiliter ce genre d'individu. Donc, ils l'ont mis dans un groupe, et le problème, c'est qu'il avait un comportement totalement inadapté, qu'il était incapable de communiquer avec les autres, puisqu'il n'avait pas vraiment communiqué avec son père, qui était extrêmement violent, il n'avait jamais vécu dans un groupe, il n'avait jamais appris la langue. Et donc il était un peu exclu, il avait aussi des crises de violence, il s'arrachait les ongles, il s'arrachait les poils, il sodomisait avec le poing, c'était vraiment très très violent. Et ce qui est intéressant, c'est que alors vous n'avez pas vraiment une hiérarchie au sens où on l'entend, mais il y avait un des maths qui était en charge, Loki, qui a commencé à s'occuper un peu de Brian, qui le faisait rentrer dans le groupe. Et Brian acceptait aussi une femelle qui dit qu'elle était aveugle, et il l'a guidée un peu à différents endroits.
Et il y a eu une espèce de travail mixte entre le psychologue, donc ils l'ont traité aux anxiolytiques, et le groupe qui a progressivement intégré, Brian, et au fur et à mesure, Brian a guéri, en fait. Alors, un petit peu, je n'ai pas bien le cas des enfants autistes, mais il me semble que les enfants autistes ont besoin d'avoir des plannings très rangés pour ne pas être perdus. Brian, c'est ça. Encore aujourd'hui, il a besoin d'avoir des plannings très rangés pour ne pas être perdu. Mais au fur et à mesure, le chef, celui qui était en charge, a laissé son poste petit à petit à Brian. Brian a réussi à fonder une famille, et maintenant c'est lui qui, à temps partiel, dirige le groupe. Et donc, on a une guérison comme ça qui a été faite, et d'ailleurs, les soignants ont travaillé et estiment vraiment que c'est le groupe de Bonneau qui ont soigné Brian. On se rend compte que là, on a vraiment une historicité derrière, qui s'est développée au fur et à mesure. Et même chez les écrevisses, on voit ce genre de phénomène. Ils ont fait des tests avec des écrevisses sur l'anxiété, où ils ont mis des écrevisses dans des situations où ils leur mettaient des chocs électriques, et on se rend compte que le taux de sérotonine dans le cerveau des écrevisses augmentait. La sérotonine, c'est ce que nous, on secrète également en état d'anxiété. Et quand on fournit et quand on donne des anxiolytiques à ces écrevisses, leur comportement de crainte disparaît complètement. Donc elles reprennent un comportement aventureux, on se rend compte que ça a le même résultat anxiolytique chez eux que chez nous, et elles développent les mêmes neurotransmetteurs dans les mêmes situations que nous. C'est une étude française d'ailleurs, c'est une étude par laboratoire. Et tout ça, ça a une très forte importance justement, ce qui va se passer dans l'enfance, exactement comme chez nous. Ça va avoir une grosse importance sur ce qui va se passer sur la suite. On sait très bien, vous avez peut-être passé ces études, que les animaux d'élevage qui se séparaient de leurs parents trop tôt souffrent de tout un tas de syndromes extrêmement graves. Par exemple, on a le syndrome, vous avez des problèmes de. Vous avez chez les vaches, par exemple, il y a une étude qui date de 3 ou 4 ans qui explique que quand vous séparez un veau de sa mère assez tôt, il a des troubles. Alors, déjà, il a un phénomène d'anxiété très important, il comprend moins bien ce qui se passe, il a des moins bonnes interactions sociales, il a une moins bonne mémorisation quand il doit mémoriser un lieu dans un labyrinthe, il va se faire plus facilement. Les cochons, notamment chez les cochons sevrés, trop tôt. On a le même problème, ils ont des gros problèmes de mémorisation, ils ont des gros problèmes d'anxiété. Par exemple, ils avaient fait le test. Alors, avec les vaches, c'était plus des tests de biais négatifs ou positifs, c'est-à-dire que les gros s'attendaient plutôt à des choses négatives que des choses positives quand ils devaient avoir la récompense ou punition. Chez les cochons, par exemple, dans des labyrinthes, vous aviez des cochons. Imaginez un labyrinthe en croix en hauteur. Vous avez deux chemins qui sont fermés par un plexiglas et deux chemins qui ne sont pas fermés, mais qui sont tout vides. Il y a un cochon sur trop tôt, ne sortira jamais des plaques en plexiglas. Alors la plupart des porcelets vont sortir et aller visiter les autres parties. Vous avez fait un autre truc comme ça, vous avez fait une grande bassine d'eau, ils s'amusent bien, mais. Une grande bassine d'eau, et ils mettent le porcelet dans la bassine d'eau, et il y a une plateforme qui est légèrement sous l'eau, qu'on ne voit pas comme ça de prime abord. Donc au départ, ils baignent complètement, ils font le tour jusqu'à ce qu'ils trouvent la plateforme. Et on se rend compte que les porcelets sur trop tôt trouvent la plateforme et ressortent à l'eau déjà. Alors que les autres restent sur la plateforme, donc calme. Et au bout d'un moment, ils finissent par trouver la plateforme. Quand on les sort et qu'on les remet plus tard, les porcelets qui ont été sevrés normalement retrouvent tout de suite la plateforme. Alors que les porcelets sevrés trop tôt ne retrouvent quasiment jamais la plateforme. Ils n'arrivent plus, ils n'arrivent pas à mémoriser ce genre de choses. Et ce qui est dingue, c'est qu'on a vu la même chose chez les araignées. Les araignées que vous voyez là, les araignées, ils ont fait des tests de labyrinthe avec. Pour ça, c'est très dur de travailler avec les araignées, parce que les araignées, ça aime bien faire ce que ça a envie de faire. Donc, quand vous mettez une araignée dans la labyrinthe, elle ne bouge pas. Donc, c'est obligé de chauffer la labyrinthe pour la faire bouger un peu. Et donc, on voit que les petites araignées, si vous leur faites un test de la labyrinthe, si ces petits ont grandi avec leur mère et leurs frères et sœurs, font beaucoup moins d'erreurs, ils mémorisent plus facilement les impasses du labyrinthe que ceux qui ont été séparés de leur mère immédiatement. C'est ça que j'ai découvert il y a 2 semaines. C'est absolument fascinant. Après, dans les relations parents-enfants, on a vraiment absolument tout dans la vie. C'est-à-dire, par exemple, chez les poissons, vous en avez qui ne vont jamais s'en occuper. Vous en avez qui vont beaucoup s'en occuper. Vous avez certains cycles où vous avez le couple va faire des tics, où vous avez un troisième membre qui est en âge de se reproduire et qui va décider de ne pas se reproduire et les aider à élever les petits. À l'heure actuelle, à ma connaissance, on n'explique pas ce comportementaire. Chez les gorilles, par exemple, chez les gorilles, vous allez avoir, en gros, le mâle. En fait, plus le mâle est élevé dans la société, plus il se considère comme étant le père des liens. Donc le mâle dominant sera en très bonne relation avec tous les petits. Et puis au fur et à mesure, il y a des réseaux qui se disent comme ça. Chez les vaches, vous avez beaucoup de relations. Alors la relation avec le veau est très forte, mais vous avez aussi des relations d'amitié. Et vous savez que la grand-mère, normalement, aide au développement et à l'éducation du veau. Vous avez une histoire comme ça, là. Je
plus long que la chercheuse qui racontait cette anecdote, mais c'est dans le livre, le cochon qui chantait la lune. Et elle racontait qu'il y avait une vache qui avait mis bas, qui avait fait son petit, et puis la grand-mère était venue pour s'occuper du petit, et la vache ne voulait pas. Et du coup, il y a eu une guerre absolument farouche entre les deux, et à la fin, la grand-mère a perdu, elle est partie du champ, elle n'a plus jamais adossé la parole à cette fille. Elles ne sont plus jamais touchées, rapprochées, les vaches sont très contacts. Chez les chèvres, comme on le voit là, par exemple, les chevreaux, assez tôt, font des crèches autogérées. C'est-à-dire qu'ils vont se regrouper entre eux et commencer à recréer une société à l'intérieur de la société. C'est quelque chose qu'on retrouve à un autre niveau, mais qu'on trouve un peu chez les loups également. C'est-à-dire chez les loups, quand la mère va faire son petit, souvent, tu as les différents individus de la meute qui vont venir aider la mère avec les petits, et ensuite les petits vont commencer à créer des endroits où on vit. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où on va traîner avec les boss, il y a la salle d'arcade, il y a différents endroits où ils vont jouer, et c'est pareil, ils commencent à créer leur petite communauté entre eux. Et il y a des autres de ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des hyènes, vous avez beaucoup d'espèces qui font ça. Vous avez peut-être entendu parler de l'histoire vétérinaire qui a raconté qu'une vache avait mis bas à des jumeaux et qu'elle les avait éloignés de l'élevage, etc. Ça, c'est un comportement normal, elle ne l'a pas fait pour les cacher. C'est un comportement logique. Les bovins font ça quand ils peuvent le faire. C'est-à-dire qu'en fait, ils l'éloignent du groupe au départ, le temps de créer le contact en se léchant, en se reconnaissant mutuellement l'un l'autre. Et ensuite, il y a un rapport au groupe. Par exemple, chez les hyènes, quand une femelle a son petit, elle éloigne du groupe pendant un mois. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle part en le laissant et elle retourne pour rejoindre le groupe. Et c'est fascinant parce que ça veut dire que vous avez une communication entre la mère et le petit où il y a suffisamment de précision pour dire « Attends, voilà. » Ça va loin parce que la mère, c'est quand même le centre de l'univers de ce petit. Il faut qu'il accepte de se dire « Non, je vais attendre là. » Et il y a vraiment une compréhension. Je ne sais pas exactement ce qui se passe derrière, mais je trouve que c'est quelque chose de très, très impressionnant. Et ensuite, les hyènes vont ramener les petits un mois plus tard, et les petits vont commencer à prendre la hiérarchie. Mais il faut qu'ils, d'abord, ils aient le temps de mûrir, de connaître leur position de vieille de la mère. Et je parlerai de la hiérarchie chez les hyènes parce que c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Et donc, justement, je parlais du langage. On va faire sur le langage. Alors, donc, j'ai pris les chauves-souris pour une bonne raison, c'était pas une image que vous aviez. Non, c'est ça, je sais. Pourquoi j'ai pris les chauves-souris? Parce que vous avez plusieurs espèces, les chauves-souris, on en retrouve aussi chez les baleines, qui fonctionnent exactement comme nous. C'est-à-dire qu'à la base, les petits ont un babillage, c'est-à-dire qu'ils ont des langages approximatifs, on en retrouve chez les oiseaux aussi. Ils ont un langage qui ressemble un peu à celui des adultes, mais qui est pas très carré, qui est un peu maladroit, puis au fur et à mesure qu'il va s'affiner. Et ce qui est vraiment remarquable, c'est qu'on s'aperçoit qu'au niveau du bagage biologique qui est derrière, c'est le même que nous. Par exemple, le gène qu'on considère comme étant le gène du langage FOXP2 est répandu chez à peu près toutes les espèces. Encore une fois, vous allez développer le langage dont vous avez besoin par rapport à votre pression sociale, votre pression environnementale, votre organe phonatoire, bien sûr. Mais le substrat neurologique est extrêmement proche, en fait. Il est très, 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 très similaire. Alors, comme à la base, la conférence initiale, le but c'était un peu de déconstruire le propre de l'homme. Je ne suis pas rentré dans tout ce qui était le langage corporel et le langage non verbal, qui est vraiment très riche. Voilà, ça nécessiterait, je pourrais presque faire une conférence complète dessus. Parce que vous prenez les chevaux, on a énormément de mimiques faciales, il y a beaucoup de communication qui passe, vous avez des primates, c'est complètement redondant, vous avez certains primates sur une photo qui sont capables de vous dire, enfin, qui sont capables de déterminer le lien en hiérarchie et le lien parenté entre différents individus sur photo et des individus qu'ils ne connaissent pas. C'est hallucinant. Donc là, j'ai vraiment, à l'exception d'un cas à la fin, j'ai vraiment centralisé sur le langage oral. Alors, il y a une étude de 2011 de Van Gnoff-Tien sur les gibbons. En fait, ils ont étudié 5 groupes de gibbons pour essayer de voir un peu comment se présentait leur langage. Retrouver des patterns réguliers, des choses comme ça. Et en fait, ils se sont aperçus que dans les groupes de gibbons, vous en aviez 3 qui parlaient la même langue. Et 2 groupes qui ne parlaient pas la même langue. C'est-à-dire que les phonèmes qui prononçaient dans certaines situations n'étaient pas du tout les mêmes, alors que les 3 autres groupes utilisaient les mêmes phonèmes. Donc déjà, vous aviez des langues différentes selon les régions. Et ce qui est plus dingue, c'est qu'ils se sont aperçus aussi que les 3 qui parlaient la même langue avaient des accents différents. Ils ne prononçaient pas les choses pareilles. Alors, je vais dire entre parenthèses parce que je n'ai pas retrouvé l'étude, mais j'ai lu une fois que c'est comme ça que les goélands se repéraient pour partir en migration. C'est-à-dire qu'ils étaient, quand ils se regroupaient tous, en fait, ils se reconnaissaient à l'accent de celui qui appelait. Enfin, j'ai pas retrouvé l'étude, donc je mets des parenthèses dessus. Mais... Il y a une autre étude sur les chats de Kerry qui a été menée il y a un an, chats de Kerry, c'est ce qu'on voit au milieu, par le professeur Shlomo Dikov, je ne sais pas marqué,
dans ses effets sur pas mal de temps, et qui a étudié le langage des chimpanzés. Et en fait, les chimpanzés ont un langage très précis. Comment ils ont fait leur protocole? Simplement, en fait, il a pris des étudiants. Il les a utilisés, ça serait ça, les étudiants. Et il a enregistré les sons des chiens prairies quand les étudiants passaient devant les chiens prairies. Et ils ont enregistré les cris d'appel. Et on s'aperçoit que si vous faites passer toujours le même étudiant habillé pareil, à la même vitesse, le cri d'appel est toujours le même. Si le même étudiant passe en marchant plus vite, le cri se modifie légèrement. S'il marche encore plus vite, le cri se modifie encore légèrement. S'il change de couleur de chemise, le cri se remodifie encore légèrement. Et ces variables, selon l'individu, selon la taille, selon la vitesse de déplacement, selon la couleur des vêtements, en fait, ils sont capables très précisément d'indiquer quel est le niveau de danger, la source de danger qui est en train d'arriver. Là, on pourrait dire, on n'est pas très loin d'une grammaire. Mais la grammaire chez les autres animaux, vous pouvez les connaître. C'est facile. Vous avez deux cas sur les deux oiseaux qu'on a sur les côtés, où on a montré qu'il existait une grammaire chez ces espèces. Sur votre gauche, ce sont les pomatostomes. Les pomatostomes, alors, ils ont travaillé avec deux grands phonèmes. Les pomatostomes ont des sons, plein de sons, ils ont une quinzaine de phonèmes en tout. Et donc, pour résumer, en gros, quand ils sont en vol, ils ont un appel qui correspond à AB, un phonème AB. Quand en revanche, tu dois retourner vers le nid, qu'il y a quelque chose qui part vers le nid, le phonème devient PAB. Et on se rend compte que juste l'ajout de ce préfixe modifie le sens de la chose. C'est-à-dire que si vous faites un enregistrement, vous mettez un pomatostome et vous passez AB, il va plutôt regarder en l'air. PAB, il va se retourner et regarder vers le nid. Et on s'est rendu compte, les scientifiques se sont rendu compte qu'ils utilisaient une quinzaine de phonèmes comme ça qui avaient des sens différents. On a montré avec, je crois que c'est les modes de Campbell aussi, avec les cracks ou qui avaient différents sens qui, selon comment c'était mis, avaient des sens différents. Il y a d'autres travaux qui ont été faits sur les diamants mandarins qu'on voit ici, et également chez les perruches. Et ce qui est super chiant là-dessus, c'est qu'on s'aperçoit que les diamants mandarins et les perruches ne résonnent pas de la même manière, de façon grammaticale. C'est-à-dire que si vous donnez une règle grammaticale à des perruches, à des diamants mandarins, par exemple, vous leur donnez un ordre dans une phrase, c'est-à-dire A, B, A, et puis après, il faut qu'ils comprennent que C, B, C, ça marche aussi. Et dans ce moment, ils arrivent à comprendre quand vous avez toujours les mêmes phonèmes. Chez les diamants mandarins. Il faudrait que ça reste A, B, A, si vous êtes habitué avec C, A, B, C, mais si vous commencez à faire L, G, H, là, il n'y aura plus mal à comprendre. Les perruches, elles, vont comprendre ça. Les perruches sont capables immédiatement de comprendre la logique qui est derrière. On leur va comprendre que A, B, A a un certain sens, elles sont capables de comprendre que C, D, C peut avoir le même sens. Ça, c'est une étude de 2015 aussi. Non, c'est pas mal tout ce qu'on est 2015. Celle-là, c'est une étude de 2016. Donc, vraiment intéressant. Et donc, les perruches ont un sens grammatical plus poussé. L'autre cas très marquant de grammaire, c'est chez les dauphins. Vous avez des dauphins. J'ai dit une ânerie dans la conférence, mais peut-être à Lyon. C'était des dauphins qui étaient étudiés, je pense, mais ils sont à Hawaï. C'est Aki Akemai et Phoenix, qui sont deux dauphins sur lesquels ils ont travaillé justement sur la grammaire. C'est-à-dire qu'ils les ont habitués à répondre à un ordre. Alors, il m'a expliqué. Donc, Aki Akemai, on lui donnait des instructions en lui disant objet indirect, action. Par exemple, objet indirect, cerceau. Objet direct, ballon, action, mettre dedans. Et donc, ils étaient capables, quand on leur disait, dans ce ordre-là, par exemple, cerceau, ballon, mettre dedans, ils comprenaient qu'il fallait prendre le ballon, le mettre dans le cerceau. Ce qui est déjà de son grammaire vraiment évolué. Et à Phoenix, ils l'ont fait dans l'autre sens, je crois, je ne l'ai pas marqué, mais Phoenix, c'était dans l'autre sens, c'était action, objet direct, objet indirect. Et on se rend compte que si vous modifiez les structures grammaticales, les dauphins ne comprennent plus la phrase. Et donc, soit ils vont décider de ne pas répondre, soit ils vont décider de supprimer une partie de la phrase et de garder que ce qui fait sens pour eux. On sait aussi que les dauphins, dans leur langage à eux, ont des prénoms. C'est-à-dire que les dauphins, quand ils sifflent pour communiquer entre eux, ils ont plein de sons différents, les dauphins, et ils ont toujours un sifflement de signature à la fin qui dit « c'est moi ». Et ils ont chacun le leur qui développe dans leur enfance et qui conserve ensuite toute leur vie, qui se génère une identité comme ça. Il y a une étude qui était marquante aussi, qui a été faite, alors là c'est deux autres dauphins, Hector et Anne du Royal Institute, où eux, on les a entraînés, alors c'était aussi une espèce de marinement qui s'est fait un peu de sang. Et là, on a pu voir s'ils étaient capables d'innover, d'avoir ce concept d'innovation. Donc en gros, on leur disait, bon, fais un cerceau, fais un supérieur, fais une brille, saute dans le cerceau. Et à un moment, ils ont essayé leur vie. Ils ont essayé de développer le concept d'innover. On leur a dit, innover. Et là, ils se sont aperçus qu'en fait, ces deux dauphins partaient dans l'eau et étaient capables, en synchronisation parfaite, de faire une nouvelle routine complète, complètement inventée, qu'ils avaient fait eux-mêmes. Et ce qui est le plus dingue, c'est qu'ils la font du premier coup et qu'ils la font en synchronisation.
Et en enregistrant dans l'autre, on rencontre une communication permanente entre les deux qui leur permet de se synchroniser sur ce qu'ils vont faire. C'est dire, on ne peut pas vraiment encore développer la richesse du langage des dauphins, mais le langage des dauphins est probablement extrêmement riche et vraiment très complexe. C'est vraiment des univers passionnants. Il y a des gens qui ont essayé de développer des appareils pour comprendre le langage des dauphins, ça peut tomber à l'eau. Je crois que ça va lancer un peu d'affaire. Et puis après, ben, vous avez Canalex. Pour ceux qui connaissent Canalex, Canalex c'est une biron que vous avez en haut qui a été étudiée par Ian Tupperberg. Donc, Alex, c'est l'acronyme de Avian Language Experiment, donc expérimentation sur le langage aviaire. Et comme après, elle a fait d'autres trucs que le langage, elle va renouer en Avian Learning Experiment. Et donc, Alex, c'est un oiseau, un gris de biberon, qui a été acheté en élevage pour pas qu'on puisse le reprocher à Ian Tupperberg d'avoir sélectionné un individu particulièrement intelligent, parce qu'elle l'a acheté dans tout le corps élevage. Et à l'époque, on n'avait pas découvert encore divers stratons, tout ce que vous voulez, de Bermuda. Et donc, on pensait que les oiseaux étaient des imbéciles. Et Ian Tupperberg a voulu montrer que ce n'était pas le cas. Et elle l'a fait avec lui. Mais alors, elle a gagné la Et on s'est aperçu que Alex était capable déjà d'utiliser également des phonèmes. Alex était capable de compter déjà jusqu'à 6 ou 7 au moins déjà naturellement. C'est-à-dire qu'il utilisait déjà le premier mot, il avait déjà ses notions. Il était capable de répondre à une question quand vous lui disiez combien il y a de cubes jaunes sur la table, il était capable de savoir qui étaient les cubes jaunes, combien il y en avait sur la table, il était capable de les compter, de répondre à différentes questions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Alex avait vraiment une personnalité très forte. Alex était un connard. vraiment très fort. Par exemple, vers la fin de la vie d'Alex, elle avait un petit oiseau de perroquet, dont un qui s'appelait Griffin. Et comme Alex avait vécu pendant longtemps avec Ian Tupperberg tout seul, il avait acquis une relation très particulière et les autres perroquets étaient très impressionnés par Alex, qui faisait toutes les réponses à toutes les questions. Et quand Ian Tupperberg posait une question à Griffin, Griffin regarde toujours Alex du coin de l'œil. Et Alex, il voulait garder la donnette en général, souffler des réponses fausses à Griffin. vous avez une autre histoire qui est marrante, c'est qu'à un moment, Ian Tupperberg voulait travailler avec Alex pour montrer qu'il était capable de comprendre qu'il y avait des lettres dans les mots. Et donc, elle est habituée à appeler des mots. Et il y a des gens qui venaient pour faire une émission sur Alex. Je sais plus ces émissions, des gens qui venaient pour renouveler des fonds, des buts, je ne sais plus exactement. Mais en gros, il fallait vraiment que ça soit fait vite. Donc, elle lui disait, prenez un mot, par exemple, maths, noir, et Alex devait l'appeler N-U-T-S. N-U-T-S. Et comment s'est déroulée cette histoire? Et du coup, ah non, c'est pas comme ça. Elle lui demandait d'appeler, par exemple, je ne sais pas, une pomme. Donc elle disait, Alex, appelle une pomme. Appelle une pomme. Il disait, P-O-M-M-E. Je veux une noix. Elle fait, non, Alex, on n'a pas le temps. Elle a d'autres choses à faire. Donc elle lui dit, Alex, appelle-moi ça. Il lui appelle, je veux une noix. Non, Alex, non, il faut qu'on s'épêche. Et là, il lui dit, il arrête le truc, il arrête, il fait, je veux une noix N-O-I-X. Et là, ça fait du silence dans la voix. Vous avez des anecdotes comme ça c'est dans le livre de Ian Tupperberg, Alexandre, qui est pas très bon français, mais qui raconte cette anecdote. Et là, on a une vidéo, je vais vous montrer à l'aise, avec dans ses grands ordres. C'est là, on va lui demander le nombre de plateformes qu'il y a devant lui. Donc en fait, Alex ne répond pas en forme, genre carré, square ou circle, tout comme ça, il répond par le nombre de côtés. Donc là, il va dire, what shape, quelle forme, il va répondre, four corners, 4 points. Et ensuite, il va dire, can go back. Est-ce que je peux rentrer? Parce qu'une fois de plus, Alex n'a pas envie de travailler. Ensuite, elle va assister, elle va lui poser deux, trois autres questions, et il va lui dire, can go back. Et elle va lui dire, non, Alex, can go back. Non, Alex, tu ne peux pas arrêter. Ensuite, il va lui dire, can I get some water? Est-ce que je pourrais avoir de l'eau? Donc, elle va accepter, elle va lui amener de l'eau. Et elle va voir qu'Alex ne voit pas du tout. Et elle lui dit, Alex, est-ce que tu veux vraiment voir? Est-ce que tu es en train d'arrêter l'expérience? Et Alex va la regarder, va lui faire, can go back. Alex hasn't just learned to say a certain word when he sees a particular object. He's paying attention to the questions. How many? That's right. You're a good one. No, you can't go back yet. You better not salt water. Do you want some water? Or you just ask me to interrupt? You just ask me to interrupt. Alors, je ne vais pas trop digresser dessus, mais il faut toujours garder en tête quand même que quand on parle d'études comme ce qu'on va faire aujourd'hui, il y a un énorme problème éthique derrière la qualité de l'étude et Alex en première ligne.
Le livre Alex and Me commence par Larry Verber supprime les rémiges primaires d'Alex pour éviter qu'il s'envole et Alex se fond dans un bain de sang parfait en battant des ailes. La fin du livre Larry Verber est très, très méfiante, alors peut-être que sa position a changé aujourd'hui, mais sur les militants animalistes parce qu'elle a peur qu'ils viennent libérer Alex. Et elle raconte quand même les moments où il passe devant la fenêtre avec des oiseaux qui volent, c'est peut-être pas très bien. Alors, la petite remarque que j'ai faite sur le langage oral, c'est celle-ci. C'est le langage des abeilles, la danse des abeilles. Je ne sais pas si c'est connu. C'est quelque chose qui est très, très, très connu. Ça a eu un peu de nouvelles à Carl Friedrich en même temps que Conrad Lorenz et que Gutenberg en 1973, qui a produit. Mais c'est magique comme ça. Et en fait, les abeilles, la danse, sert à indiquer où est-ce qu'on a trouvé à manger. Alors, comment se déroule cette danse? À la base, les abeilles dans la rue sont verticaux. Une abeille va se mettre sur l'oreiller et va entamer la danse qu'on voit là avec un motif. Alors, vous avez deux motifs. Vous avez un motif circulaire, vous avez un motif en. Déjà, à la base, l'abeille va s'orienter, essayer de faire ça clairement, la perpendiculaire à la ruche. C'est-à-dire que votre ruche est comme ça, le rayon de la ruche est comme ça, la perpendiculaire donc la gravité. Perpendicularité équivaut à la position du soleil. Ensuite, elle va se mettre sur un certain degré par rapport à la perpendicularité. Ce degré correspond à la direction par rapport à l'angle, par rapport à la position du soleil en sortant de la ruche. Et par exemple, là, mon rayon est vertical, l'abeille danse comme ça, ça veut dire qu'il va falloir partir d'à peu près 30 degrés par là-bas. 30 degrés par là-bas. En sortant de la ruche, elle vous repère le soleil, 30 degrés sur la ruche par rapport au soleil. Et la vitesse de pression va indiquer la distance de l'alimentation. Et ensuite, elles vont procéder à la prophylaxie, c'est-à-dire qu'elles vont donner un peu à manger à celles qui sont autour pour leur donner une idée de la qualité de la nourriture, pour recruter encore plus de monde. C'est plutôt ça, mais vous allez voir que ça, c'est utilisé pour plein de choses après, c'est utilisé pour un choix de nid. C'est aussi pour ça que je voulais vous l'expliquer maintenant, parce que sur le choix de nid, ça se fait, c'est ça. Alors, on va passer à l'adolescence, à présent. Et je de la transmission culturelle. Alors, je parlais justement d'enseigner et de transmettre aux autres, et je vais tout de suite passer sur les fonds, vu qu'on était sur les. J'ai mis sur le fonds, pas grave, ce sera sur le dépôt d'après, on reverra les fonds. Je vais le mettre maintenant, je reviendrai en arrière. Non, mais c'est pas le nom. C'est son bon milieu, le temps d'aller en arrière. En fait, les fourmis, elles, quand elles trouvent un endroit intéressant, ou un potentiel nouveau nid, elles vont, si c'est de la nourriture qui est intéressante, elles vont récupérer un petit peu de cette nourriture, ensuite elles vont rentrer et elles vont commencer à recruter d'autres fourmis, leur faire goûter un peu, leur dire qu'il y a ça, c'est bon. Ensuite elles vont lancer une course, c'est-à-dire elles vont toutes s'approcher les unes des autres avec celles qui sont intéressées, et elles vont commencer à les guider d'après le modèle. Alors, en général, d'ici la fin de la première, il y aura ce qu'il y a, d'où le terme du temps d'aimerait. Et ensuite elle va la mener jusqu'à un endroit qui est intéressant pour manger. Et ça, c'est fascinant parce que c'est coûteux pour la fourmi en question. Ça lui techniquement apporte rien, ça apportera ensuite à la ruche, et c'est pour le bénéfice qu'on fait de l'autre individu. Donc on a une vraie forme d'enseignement ici. Et c'est pas souvent ce qu'on voit ce genre de choses. Et ce qui est marrant, c'est qu'une fois qu'elle a atteint un certain seuil, qu'il y a suffisamment de fourmis qui ont compris que là-bas il y avait un truc intéressant, et bien elle s'en met plus avec ce machin-là, elle a directement rentré chercher des points sur son dos, vous voyez là sur la photo, et elle les embarque directement avant que c'est intéressant. Au niveau des transmissions culturelles, alors le cas le plus connu, enfin qui est vraiment très connu, c'est celui qui a été étudié sur l'île de Koshima, avec des macaques du Japon, voilà, avec des patatus. En fait, les chercheurs japonais ont une approche un peu différente de nous, c'est que nous, en général, les occidentaux, quand on étudie les autres animaux, on essaie de ne pas intervenir, mais d'essayer au maximum. Les Japonais interviennent un peu plus. Et là, cette étude, en l'occurrence, les macaques qui vivaient seuls et la fille qui travaillait dans la nature, c'est un peu compliqué à expliquer. Ils leur ont donné des patates. Et puis, donc ils leur ont donné comme ça. Et il y a une petite femelle, au bout d'un moment, qui s'est rendue compte qu'avec de la terre, ce n'est pas terrible. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à aller nettoyer dans l'eau douce, dans l'eau de rivière. Et donc, elle a commencé à nettoyer sa patate. Ça, vous allez dire, voilà. Mais ce qui est étonnant, c'est que, autant vous dire que la hiérarchie au-dessus d'elle n'a pas spécialement suivi. Parce que c'est une femelle, elle est relativement subalterne. Et ce qui est intéressant, c'est que son petit a commencé à suivre. Et ensuite, au fur et à mesure, la troupe a commencé à s'y mettre et de manière progressive, toute la troupe s'est mise à nettoyer les pommes de terre. Et puis, à un moment, c'est encore rigolo, elle a commencé à nettoyer les pommes de terre dans l'eau de mer. Et puis là, visiblement, elle s'est rendue compte qu'il y avait un petit coup salé.
pas les maisons. Et donc, au fur et à mesure, tout à coup, on a commencé à nettoyer les patates dans l'eau de mer. Et là, on a l'apparition des premiers condiments, en fait. Et donc, les scientifiques se sont dit, ouais, mais bon, c'était juste une erreur. Donc, ils ont directement donné des patates douces propres pour voir si elles allaient quand même les laver ou pas les laver. Et autant les autres, ils les lavaient un peu dans l'eau de mer, un peu dans l'eau douce. Alors, en fait, les patates propres, ils ne les lavaient que dans l'eau de mer, de manière justement à les saluer. Sur ce truc-là. Dans l'enseignement, on le voit aussi chez les suricates. C'est-à-dire que les suricates apprennent progressivement à chasser. Une des alimentations principales des suricates, ce sont les scorpions. Le problème, c'est qu'on ne peut pas mettre directement un outil en rapport avec un scorpion, parce que le scorpion pourrait tuer. Donc, ce qu'ont fait les parents, on est pas sortis de la mer pour l'instant avec des scorpions d'or. Et les petits vont apprendre un peu comment faire un scorpion, tout ça. Et puis, au fur et à mesure, ils vont leur dire des scorpions qui ont été neutralisés. C'est-à-dire que les parents vont sectionner l'art et amener un scorpion non dangereux au petit, pour que le petit apprenne progressivement et au fur et à mesure, ils vont leur donner des scorpions qui, eux, sont bâtiments. Voilà, on a chassé. On le voit aussi chez certains félins. Dans les enseignements qui sont marquants, c'est assez récent, c'était en 2009, qu'ils ont vraiment vu, je ne sais même pas, c'est pas un touriste qui a filmé ça, sur des maquettes cultivées, sur d'autres climats aussi, en fait, ils utilisent des cheveux comme fil dentaire. Comme fil dentaire. C'est-à-dire qu'ils prennent, alors soit ils ont les arrachent aux touristes, soit ils prennent les leurs, et là on ne voit pas bien, on a l'impression qu'il a une tête droite qui se pose de côté, mais en fait, pas du tout. Il a un fil dans les mains et il est en train de passer le fil dentaire dans ses dents. Et la vidéo qui est marquante, ça a été traité par le professeur Mazataka, c'était une étude de 2009. En fait, on voit vraiment sur ce truc, vous avez une femelle qui est assise, qui est en train de se passer le fil dentaire. Et un tout petit, son nouveau-né, arrive à se mettre dans elle. D'un coup, elle ralentit les mouvements et elle exagère tous les mouvements. Et là, on a encore une phase de transmission où elle est en train d'apprendre à son petit comment faire cette manipulation. Et la transmission culturelle, ça apparaît parce qu'on le retrouve aussi chez les poissons. Vous avez des groupes de poissons qui, si vous mettez des poissons naïfs dans un endroit, ils vont apprendre les différents endroits de nourrissage, des trucs, et ça va se perpétuer de génération en génération. Les poules apprennent aussi par apprentissage, ça c'est une vidéo par observation sociale. Vous avez, ça c'est une vidéo de la TMF, où vous voyez vous là-bas en regardant une télévision. Les poules en fait regardent la télévision, alors la télévision elle voit une autre poule et il y a des récipients. Les récipients qui sont cachés dans les yeux et vous en avez des rouges où il y a de la nourriture et des bleus qui n'ont pas de nourriture. Et elles s'aperçoivent en regardant la vidéo que seuls les rouges ont de la nourriture. Et donc ensuite elles sont dans la salle et elles enlèvent la sûre et dès qu'elles sortent un petit peu de bleu, bah, elles arrêtent ensuite de chercher. Parce qu'elles savent de ce qu'elles ont de la vidéo qu'il n'y aurait rien dans les bleus et elles ne cherchent plus dans les bleus. Et dans les transmissions culturelles, et je vais commencer avec une sur l'utilisation des outils, une vidéo là, un reportage qui est passé sur France 1. Sur l'utilisation d'outils, c'est une des premières utilisations d'outils qu'on a repérées chez les oiseaux. C'est chez les corbeaux de Macédonie. Alex étudie également ses outils délicats conçus à partir des feuilles d'une plante appelée pandanus. Il en a trouvé différentes sortes. Certains sont très élémentaires. D'autres ont fait l'objet d'un travail minutieux. Selon les groupes de corbeaux qui peuplent l'île, les outils employés sont très différents. Dans le sud, on trouve des fragments très variés. Plus au nord, les outils sont plus recherchés, comprenant plusieurs niveaux. Cela signifie que chaque groupe a sa propre façon de faire. Dans la société humaine, c'est la définition même d'une culture. So we're seeing different populations ont toutes leurs propres traditions. Nous analysons leurs outils depuis près de 20 ans. Et ces traditions n'ont pas changé. De plus, il semble qu'à chaque génération, les outils deviennent plus performants. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup aussi, qui a été énormément étudié chez les chimpanzés. Et les primatologues ont beaucoup travaillé sur les chimpanzés, notamment du groupe, la famille Etienne Goudol, qui sont capables, juste en voyant son comportement culturel, de savoir à quel groupe il appartient. Par exemple, les chimpanzés qui utilisent tel type de feuille pour faire des éponges, et tel type de branche pour faire son nid, et tel type de brindilles pour récupérer les termites, appartient à tel groupe. Celui qui utilise plutôt ces feuilles-là, qui plutôt les nids comme ça, et lui appartient à un autre groupe. Donc, là, on a des transmissions culturelles qui se font à beaucoup de niveaux. Et notamment l'utilisation des outils.
Et ce qui est intéressant dans l'utilisation des outils, c'est que ce n'a pas un caractère que social. Et même les espèces les plus improbables, on a vu des utilisations d'outils. Les fourmis utilisent des outils. Les fourmis, quand elles veulent récupérer quelque chose qui est liquide et qu'elles ne peuvent pas récupérer, c'est fréquent qu'elles vont arriver avec des feuilles et elles vont mettre les feuilles dessus de manière à imbiber dans la feuille le produit pour en récupérer plus et ensuite partir avec les feuilles pour les remettre à l'intérieur. Voilà, après, elle se souhaite aussi. Et vous l'avez aussi chez les pieuvres. Chez les pieuvres, c'est quand même vrai parce que vous avez des espèces qui ne sont pas sociales et qui ont des capacités d'apprentissage qui sont complètement hallucinantes. Ils sont capables d'apprendre en observant les autres et elles utilisent également des outils. Comme vous pouvez le voir là, vous avez vu avec une noix de coco, là c'est avec un coquillage. Donc là, elle se balade avec son coquillage. Ce qui est fascinant chez les pieuvres, il faut savoir que leur système nerveux est. Vous ne pourrez pas être le plus proche de l'extraterrestre que la pieuvre. Et son système nerveux est vraiment dans le corps, et en fait, les tentacules sont souvenirs dépendants. C'est-à-dire que la pieuvre peut contrôler ses tentacules, mais les tentacules peuvent faire ce qu'ils veulent aussi. Et d'ailleurs, on va voir à un moment, elle va saisir, alors, très ici, là, ce qui est fou en plus, c'est qu'elle trouve la bonne moitié du. Et elle part avec. Ça veut dire qu'elle prévoit qu'elle va en avoir besoin et qu'elle aura besoin des deux. Je ne sais pas si vous voyez le. Et voilà. Et là, on va voir un tentacule en fait, qui attrape. Le coquillage, la pieuvre va faire la chute. Oh. Les pieuvres, je crois que c'est pas si chose que ça. C'est incroyable. C'est vrai qu'elle vit plus qu'un prépa. Non, ça part trop. Voilà, là, on va arriver au moment où. Je pense que je pouvais m'accélérer, mais en fait, ça ne me laisse pas faire. Et voilà. Il y a une autre vidéo qui est sortie très récemment de Jux quand une autre qui roule. Et donc voilà, je suis un coquillage. Sur les outils, on retrouve chez les poissons également. Vous avez certains scientifiques qui utilisent des tablettes pour mettre leurs outils. Ce qu'on voit ici, c'est-à-dire qu'ils prennent conscience des feuilles, ils les utilisent comme tablettes, c'est-à-dire qu'en fait, ils regardent les feuilles, elles sont faciles à couper, faciles à transporter, et comme ça, en cas de problème, ils vont sectionner la feuille et partir avec la feuille pour pouvoir la mettre dans un endroit plus sécurisé. Alors, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur les outils chez les poissons. Pas d'habitude, on a observé un coérodon notamment utiliser des rochers comme enclume. C'est-à-dire qu'il va prendre le coquillage et aller frapper le coquillage dessus. Et les chercheurs se sont aperçus qu'il y avait vraiment une enclume particulière. Il y a plein de débris de coquillage, il ne va pas n'importe où. Il a essayé sur ceci, etc. Il y a beaucoup de discussions sur le fait d'utiliser l'eau comme étant un outil. Parce que c'était nous qui utilisions l'eau comme un outil, on considérait que c'est une utilisation d'outil. Si c'est des poissons, on considère plus que ça va aller. Ça marche pas, ça. Vous avez beaucoup d'utilisation de l'eau comme outil, mais vous en avez, alors celui qui est plus fascinant, c'est celui-ci, c'est celui du poisson archer. Alors, le poisson archer, en fait, c'est un poisson qui, de sous l'eau, tire sur des insectes qui sont à l'extérieur, avec un train chargé d'eau sur des insectes qui sont à l'extérieur de l'eau pour les faire ensuite tomber dans l'eau. Mais sauf que ça, c'est pas inné, comme on pourrait le croire. C'est des choses qui se développent avec l'apprentissage. Au départ, ils sont très approximatifs sur la précision, c'est très approximatif sur la puissance du jet, qui au fur et à mesure, ils vont devenir de plus en plus précis. Donc plus la distance de jet va être de mieux en mieux. Et en plus, ils vont être capables de tirer sur des cibles mobiles. En vol, la décision de sauter, plâche, on va changer en vol. Et ça, ils peuvent l'apprendre en observant, on a fait des tests dessus, en observant d'autres poissons archers le faire, regarde qu'à l'observation, ils sont capables de comprendre comment il fait. Il faut réaliser une chose, ils sont dans deux éléments différents. Le poisson est dans l'eau, l'insecte est dans l'air, il y a un indice de réfraction entre les deux. L'indice de réfraction n'est pas fixe. Il dépend de la pression, il dépend de la température. Donc le poisson est obligé tout le temps d'avoir ça en tête et de modifier son tir par rapport à ça. C'est super complexe en fait. Dans les utilisations d'outils, on a également celui du grand vase noir qu'on voit ici. En fait, ils ont des périodes avant la reproduction pour faire les œufs. Ils ont besoin d'augmenter leur niveau de calcium. Et dans leur alimentation, ils n'en ont pas suffisamment pour ça. Enfin, les chercheurs pensent que c'est pour ça. En fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre soit un caillou dans la partie inférieure du bec, soit un galet. Prendre un coquillage, ils sont très riches en calcium sur le dessus, et en fait, il va le broyer dans son bec, en le frottant contre le noyau de l'air, contre le caillou, pour se supplémenter. Sur les utilisations d'outils, vous avez l'utilisation d'appât également. Alors, ce qu'on voit ici, je ne l'ai pas en vidéo, la vidéo est très mal au cœur. L'oiseau gris que vous voyez, c'est ses dernières secondes. En fait,
Alors, je n'ai pas réussi à trouver dans quel marion ça se trouve, mais en fait, il y avait tout un groupe d'orques qui m'ont appris à manger les poissons, à en garder une certaine partie, à régurgiter une partie sur le bord du bassin pour attirer les oiseaux, pour ensuite pouvoir manger les oiseaux pour augmenter leur bien. On le voit aussi, alors là, j'ai la vidéo, elle n'est pas beaucoup plus sympa que vous avez les poissons. Vous avez une utilisation, mais il n'y en a pas, enfin, il y a plusieurs vidéos de ça. Très répandu. Les vaches, faire de l'argile comme pansement gastrique, les perroquets, faire de l'argile comme
transplant gastrique, c'est quasiment le soin qui est le plus utilisé. En fait, c'est quasiment la base de ce que nous utilisons en transplant gastrique aussi. Est-ce que le fait du mémorial sans rapport avec les suppositions Après, j'attaque un truc un peu plus. J'attaque des trucs costauds sur la théorie d'esprit, la notion de soi et la métacognition. Je vous propose de faire un tour maintenant, ça va prendre 10 minutes. Allez, vous pouvez, mais où vous avez. Donc les cochons, c'est en hiérarchie. Si vous mettez un cochon dans un enclos où il sait qu'il y a de la nourriture qui est cachée à un endroit, s'il est tout seul, il va aller droit dessus et manger cette nourriture. Si jamais vous le mettez avec un autre cochon qui aura tendance à piquer sa nourriture, ben ce cochon va faire des tours d'enclos jusqu'à paumer l'autre et ensuite reviendra chercher la nourriture que l'autre ne connaissait pas. Donc il est capable de savoir que l'autre ne savait pas qu'il avait cette nourriture, de le perdre et puis ensuite d'y aller. On a le cas avec. Sur le avec les cochons, il y avait une histoire aussi qui était marrante, c'était sur les. Là, ça a vraiment été en labo, ils ont pris des porcelets, et il y avait trois couloirs, et l'expérimentateur cachait la nourriture dans un des trois couloirs. Un porcelet voyait où est-ce que l'expérimentateur cachait la nourriture. Les trois autres porcelets voyaient celui qui voyait, mais ne voyaient pas où l'expérimentateur mettait la nourriture. Le but du jeu, c'est qu'une fois qu'on allait mettre les trois autres porcelets avec celui qui sait, ben ils sont censés le suivre, parce qu'ils sont censés identifier que c'est lui qui sait. Alors les porcelets n'étaient pas tellement à ça, mais il y en a une qui réussissait systématiquement. Celle que vous avez appelée numéro 3, qui réussissait absolument à suivre celui qui savait et aller dans le bon tunnel. Donc ils ont voulu étudier un peu plus ce genre de porcelet. Et on leur a dit que c'est pas possible. Il va s'imaginer pour ça. Voilà, vous avez aussi, en matière de théorie de l'esprit, vous avez aussi sur les oiseaux, alors là j'ai pris une pie comme modèle, mais on le voit chez les corbeaux, c'est plus terminé. En fait, les oiseaux qui cachent, ce qui est intéressant, c'est que quand ils cachent des choses, ils regardent autour si quelqu'un d'autre peut prendre, mais vous savez pendant qu'ils cachent. Donc ils vont venir, ils vont cacher leur nourriture, ils vont faire un œil, et il y a deux possibilités. Ça dépend du comportement de ce corbeau. Si lui est un voleur, pas tombé. Qu'est-ce qu'il va faire? Puis il va se dire, les autres sont aussi des voleurs. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder, si on regarde, mais il ne va pas recacher celui maintenant, parce que tout le monde l'a vu. Donc il va partir, garder à l'œil celui qui veut regarder, attendre qu'il s'en aille, et revenir prendre la nourriture et la cacher ailleurs. Pareil, on va tester en laboratoire, c'est marrant, ils le font, parce qu'ils ont voulu tester si c'était juste la présence, ou si c'était le fait que l'autre regarde, donc ça a été vraiment hyper calibré en laboratoire, et il n'y a aucun doute sur le fait qu'ils se disent, lui, il est en train de regarder. On sait que les corbeaux comme nous pointent du bec comme nous on monte du doigt. On sait aussi. Et ils le font aussi avec le bruit. Quand ils cachent sous des cailloux dans du sable. Oui, aussi, ouais. Ouais. Donc si l'autre corbeau entend que son copain cache un autre dans du sable ou dans des cailloux, et bien juste le son sera et puis l'autre animal aura tendance à faire diversion en faisant du bruit dans des cailloux et en cachant rien. Et on le retrouve chez les poules également. Et les poules, comme la plupart des espèces, ont phonèmes qui ont des significations, ont un bague. Et les poules et les mâles ont un cri, par exemple, pour dire tiens, j'ai du droit à manger. Et donc, vous avez les poulets qui, quand ils ont du mal à séduire des poules, bah, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se pointer. Et puis, ils vont faire le cri, j'ai trouvé à manger. Donc, la femelle, elle court à toute vitesse. Et puis là, par exemple, non, je peux t'emmener au resto si tu veux. Et donc, c'est un peu ça qui paraît, quand vous avez un coq qui est vachement au-dessus des autres, et bien les autres poulets ne peuvent pas trop faire toute la parade d'un coup, en général, ils font des parades mais silencieuses et cachées dans un coin pour que je trouve le droit de faire. Vous avez aussi, au niveau de la métacognition, de ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, on a ce Rico, le border collie. Alors, Rico, c'est un chien qui a été assez particulier, parce que lui, ça n'a pas été un animal de laboratoire, c'est un animal qui appartenait à avec des gens et qui était aussi donc il était beaucoup plus simple en sa tête déjà et Rico ils ont pu savoir également ils savaient ce qu'ils savaient et qu'ils savaient ce qu'ils ne savaient pas et donc Rico avait un grand vocabulaire, il y a plusieurs centaines de mots qu'ils ont trouvé, on lui disait va chercher la voiture et on dit la voiture, on va chercher ça, en gros c'est le principe de va chercher un Rico.
Et ils ont fait un test pour savoir s'ils étaient capables de comprendre et d'analyser ce qu'ils ne savaient pas. Et donc, derrière l'expérimentateur, ils ont mis une serviette avec différents objets dessous. Tous les objets étaient connus de Rico, à l'exception d'un seul. Ensuite, l'expérimentateur se dit aux objets, de face, regarde, reste le plus neutre possible pour pas que le chien observe ce que fait l'humain, parce que ça, les chiens observent vraiment énormément de détails et perçoivent vraiment beaucoup, beaucoup de détails. Donc, ils ne regardent pas, ils regardent face à lui. Et il dit, Rico, va chercher, et là, il entend un mot que Rico ne connaît pas. Donc, Rico, lui, comme un fou, il dit, ouais, va chercher ce que tu s'entends. Il se rend compte qu'en fait, il n'a pas compris ce qu'on a dit. Donc, du coup, il regarde. Ah, ça, je connais pas. Et du coup, il va récupérer le seul objet qu'il ne connaissait pas dans tous les objets qui étaient là, le lier au nom qu'on vient lui donner, et comprendre que ce truc-là, il ne le connaissait pas, donc ça correspond au nom. Donc, voilà, c'est le. Les pigeons, alors, les pigeons, t'as tendance à. Alors, selon ce que vous pouvez lire, on peut lire qu'ils ont réussi aussi le test du miroir, ou pas. C'est une étude de Skinner, c'est très ancienne, mais ils ont été extensivement entraînés pour le réussir, donc c'est très discutable. En revanche, on a refait des tests avec des vidéos, et les pigeons sont capables de se reconnaître sur une vidéo, même avec quelques secondes de décalage. Ils sont capables de dire c'est moi, c'est pas moi. On peut quasiment penser que les pigeons sont dans ce miroir. Alors, maintenant, on va passer sur le jeu. Ah non, j'ai un truc qui est génial. Au niveau de la théorie des skills, j'ai interviewé parce que c'est sur l'autre conférence, mais c'est une étude qui a été faite sur les poissons combattants. En fait, quand vous avez deux poissons combattants qui vont se battre, celui qui va perdre, si après vous vous mettez en relation avec des femelles, il ira choisir la femelle qui n'a pas vu combattre. Et donc, et si vous lui mettez une femelle qui n'a plus le père, bah, bah, il va se barrer. Alors, le gagnant, lui, le frappe. Le gagnant, lui, en revanche, il n'en a rien à cirer, il ira indépendamment vers les deux. Donc, à voir, parce que c'est de la théorie de l'esprit, mais Stéphane n'en parle pas du tout. Il le raconte de manière anecdotique dans l'étude, mais c'est vrai que c'était super intéressant à soulever aussi comme point. Et on sait aussi que vous avez, c'est pas chez eux, je ne sais plus quel poisson c'était, mais que, en fait, les poissons s'observent énormément, ils copient beaucoup le comportement des autres. Et vous avez certains poissons qui, quand ils sont mis en présence d'une femelle qui leur plaît bien, et d'une autre femelle qui leur plaît moins bien. Et on a toujours celle qui leur plaît bien. Si vous mettez un deuxième poisson qui est plus fort qu'eux, il aura tendance à piquer la femelle qui leur plaît. Et du coup, ces poissons ils vont chercher la femelle qui leur plaît moins. Pour que l'autre leur pique la femelle qui leur plaît moins. Voilà. Ah, c'est là, c'était les fourmis qui datent de 2015. Les fourmis, c'est 2015. Et c'est les études. Toujours les mâles non, pas toujours. Par exemple, chez les araignées, il y a certaines araignées qui mettent la pression mal pour que. Maintenant, on va passer sur le jeu. Alors, le jeu, c'est très intéressant parce que, notamment, d'après le travail de Marc Bécotte et de Gordon Dogger, notamment, on se rend compte que le jeu est en train de tous les comportements moraux. En fait, dans une société, des règles sociales qui s'insèrent. Alors, ce qu'on voit en haut, c'est un chimpanzé avec ce qui apparaît être un bâton dans sa tête. En fait, c'est pas un bâton, c'est une poupée. Et cette jeune chimpanzé va utiliser ce bâton comme un bébé. Et elle va le pomponner, elle va l'entraîner avec elle et le garder systématiquement comme si c'était un vrai bébé. Et c'est très fréquent chez les chimpanzés, ce qu'on entend. Chez les chiens aussi, ce qu'on voit ici, c'est une position qu'on appelle ball play, position cambrée comme ça. C'est une position qui veut dire tout ce qui va se passer à partir de maintenant. C'est du jeu. Ça nécessite un intervention des autres. Par exemple, pendant le bagarre, en cas de chiens se battent, il est possible qu'à un moment, il y en a un qui repasse un roleplay. S'il remet cette position, ça veut dire qu'il est peut-être allé un peu trop loin sur un comportement qu'il vient de faire, il y a une ambiguïté, peut-être mordu un peu trop fort. Il est en train de dire, c'est bon, c'est des balles. Et donc, ça, c'est vraiment très important. Vous avez des chiens, même, qui sont très loin hiérarchiquement, qui vont se mettre sur l'eau et se laisser faire par des outils, parce que vous avez une autorisation à ce moment-là. Il y a une zone dans la société qui s'arrête. Il n'y a plus de hiérarchie à ce moment-là, il n'y a plus rien. Et tout le monde est au même endroit pour pouvoir jouer. Et ça crée vraiment de choses, de liens, de trucs comme ça. Et il faut savoir que les individus qui sont inaptes à jouer sont en général exclus du groupe. Chez les loups, souvent, quand vous voyez des loups solitaires, ça peut être dû à différentes causes, mais très souvent, c'est dû à des loups qui, jeunes, n'arrivaient pas à jouer, en fait, demandaient trop fort, ou n'arrivaient pas à comprendre les règles du jeu, et ont été exclus du groupe. C'est pas rare. Au niveau du jeu, alors, la plus grosse étude qui a été faite dessus, la plus grosse, c'est pas une étude, c'est
gros travail qu'il avait dessus, il a été fait par Gordon Burgard, qui a écrit un livre, qui a un pavé comme ça, mais qui est fabuleux, qui s'appelle The Genesis of Animal Play, qui n'existe pas en français. Et où il a pu voir jusqu'où on pouvait chercher le jeu, c'est-à-dire d'y aller jusqu'aux insectes. Malheureusement, il n'y a rien trouvé. Mais par exemple, on trouve chez les tortues, chez les crocodiles, on sait que les crocodiliens aiment bien tirer à la corde. C'est un des grands jeux des crocodiliens, on leur donne une corde pour tirer les amènes dans le ça. En gros, une tortue joue à la balle, je ne sais pas exactement là ça. Ça correspond. On sait que, ils ont observé chez les rats le comportement physiologique du rat quand il joue. On s'aperçoit que le rat, quand il joue, comme chez nous, libère des opiacés et tout ce qui est les zones de plaisir à ce moment-là. Toutes les zones de plaisir, son cerveau s'active. Et d'ailleurs, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il faut savoir aussi que les rats et les souris, les rats surtout, rient. Ils ont un rire dans les yeux tracés. Il y a un son particulier qui correspond au rire et qui correspond exactement à la situation de jeu. Ce genre de choses. Et les poissons, alors. C'est encore en débat, mais quand on regarde, c'est bien temps. Et d'ailleurs, c'est le seul à avoir fait une vraie course au jeu des poissons qu'on voit sur le côté. Alors, vous avez des comportements qui s'apparentent à du jeu et qu'on ne peut pas expliquer autrement. Par exemple, vous avez des poissons qui sautent par-dessus des obstacles, que ce soit des brasiques, que ce soit d'autres poissons, que ce soit des tortues, c'est ce qu'on voit sur la gravure là-haut. Et il y a plusieurs techniques différentes. Vous en avez qui vont juste sauter parfaitement par-dessus. Pendant un moment, certains chercheurs disaient, bah oui, mais c'est pour enlever des parasites qui se frottent dessus, c'est un mec qui se laisse glisser. Oui, mais si tu sautes par-dessus, tu es une parasite. Il y en a qui vont, voilà, qui sait que ça peut avoir des comportements de prédation, sauf qu'ils le font hors cas de prédation, ils le font hors cas de faim. Donc il n'y a pas vraiment de trucs qui expliquent, alors il y a plein de techniques comme celle-ci. Il y a la technique où vous laissez glisser dessus, il y a une autre technique où il pose la tête dessus, et il se sert de la tête pour faire le vire. Vous avez vu, il met la tête dessous. Et vous en avez une chance à toute vitesse, qui est la plus par rapport au départ. Vous avez un poisson et des rois qui sont. C'est vraiment fascinant, mais on ne voit pas très bien. Il y a beaucoup d'histoires de jeux chez les poissons et les rois. Les poissons et les rois ont en général des outils très faibles. Ils sont assez destructeurs parce qu'ils ont comme une petite ronce, c'est pour ça qu'on les appelle les poissons et les rois. Comme une petite ronce, ils aiment bien chercher dans les graviers, mais le problème c'est qu'ils aiment bien chercher dans les bombes de recyclage aussi. Et ils allaient enfoncer des trucs en cours de recyclage. Et on se rend compte que chez les poissons vraiment destructeurs, si vous leur donnez des jouets, genre ils racontaient une histoire de la poisson alors, avec des petits boules pour les chats. Ou avec des petites brindilles bien particulières dans des brindilles en de trident. Il y a un témoignage comme ça d'un docteur qu'on a étudié beaucoup et qui racontait qu'ils adoraient le mettre en équilibre sur leur nez et se balader dans les brindilles comme ça avec un petit sur les nez. Et c'était leur seul truc. Ils utilisaient rien du tout que ça. Ils racontaient aussi, c'était dans un aquarium au Danemark, je crois, il y en avait un qui allait prendre des escargots de l'aquarium et les mettre sur le bout de son nez. Et puis quand ils tombaient, ils permettent bien de commencer. Vous avez ça, c'est une observation, il y a très peu d'études en fait sur le jeu des poissons. Vous avez cette observation avec des rotangles, ça c'est un rotangle. C'est une observation d'un professeur qui a vu en fait un gars qui était vers le lac majeur et qui avait habitué ces poissons-là à venir lui manger dans la main. Et puis au fur et à mesure, il les habituait à venir se poser dans sa main. Puis un jour, il y a plein de poissons, pas dans celle de la plus loin en haut. Et là, on dit, bon, les poissons, ils se dorment, on va tout jeter. Ils sont venus à toute vitesse, il y a une fille d'avant qui a commencé à se faire. La seule vraie étude qui a été faite, c'est chez le professeur du tourisme. En gros, il a pris trois spécimens, il les a mis dans un. Donc, ils étaient dans des aquariums séparés, avec un thermomètre laissé au fond, de manière à ce que le thermomètre descende et fonctionne un peu comme un comme ça. Et donc, ils ont regardé le comportement. Une fois qu'ils étaient bien alimentés, mais il n'y a pas d'autres raisons de voir le comportement qui allait se tomber. Et donc, j'avais un premier poisson qui s'amusait à taper dedans, à faire rebondir. Taper dedans, à faire rebondir. Le deuxième, taper dedans, faisait le tour, retaper de l'autre côté, faisait le tour, retaper, etc. Et on pouvait se dire, ouais, ça pourrait être un comportement d'agression envers un autre poisson qui, comme ils sont seuls dans leur aquarium, explique ce comportement. Et oui, c'est possible, parce que c'est le poisson qui avait été retiré de l'aquarium parce qu'il cassait la gueule aux autres. Mais ça marche pas pour le troisième. Le troisième, c'était le poisson le plus pacifique de tout l'aquarium qui regardait personne, et il a dépouillé le thermomètre. Il l'a balancé à travers l'aquarium, à gauche, à droite, il entendait quand c'était marin, ils entendaient le thermomètre sauter à gauche de l'aquarium. Et donc, en creusant un peu son étude, il a abouti au fait que ces poissons étaient en train de jouer. Vous savez, les tueurs sont des animaux qui jouent énormément.
J'ai vu très rapidement, c'est pas ce petit globe, mais dans un aquarium, il y avait une pieuvre qui s'amusait à se mettre à l'entrée du recyclage des. Alors, vous avez une entrée d'air, a priori, et à se mettre au-dessus, et avec son. Alors, il y a des tentacules, vous avez ce qu'ils appellent la toile autour, c'est-à-dire la partie un peu comme un enfant, tous les doigts, pour les tentacules. Et du coup, elle se mettait au-dessus, elle faisait un ballon d'air, et elle se laissait remonter à la surface. Et puis, ça, on va aller recommencer. Il y a plein d'histoires de choses, c'est un truc que vous avez en plastique aussi. Et aussi un problème que tout se paraît. Il y a de forts soupçons quand on joue chez les requins. Il y a une observation qui a été faite par des chercheurs qui nourrissaient des requins et à un moment ils avaient laissé un ballon avec des poissons rongés qui flottaient. Et les requins ont commencé à attaquer ce truc-là. On s'est dit, c'est normal, c'est un comportement alimentaire. Mais rapidement, quand les requins rassasiés, ils ont continué à attaquer ce sac qui était vide et ils avaient plein de comportements qui n'existaient pas normalement, qui n'avaient pas observé chez les requins, notamment sur le dos. Qui est vraiment une maison très vulnérable. Et ça a que les requins, en fait, aimaient bien quand les gens ils doivent tirer sur les trucs pour pouvoir tirer en échange. Et ils ont commencé à se demander si apparemment, quand ils leur balançaient des trucs, ils se rendaient compte que les requins revenaient chercher sans raison apparemment ces objets-là et jouaient avec les billes. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'on s'aperçoit en regardant les marques qu'on retrouve sur ces espèces de ballons, ce sont les mêmes marques qu'on retrouve sur les surfeurs qui ont été attaqués par les requins. Donc il n'est pas exclu qu'en fait les requins n'essaient pas de tuer les surfeurs mais de jouer avec. Et les surfeurs sont pas joueurs. Et ça s'est corroboré par une étude qui a été faite à Charlevoix en Australie. Il y avait une étude, c'est une étude de 2001 de Victor Zafranos, qui en fait ont observé un groupe de requins qui vivait avec des pingouins. Et ils ont observé énormément d'attaques de requins contre les pingouins. Et sur un an, il y a eu un seul pingouin tué. Et les requins les attraper et les laisser repartir. Donc, les poids, ce sont un jeu d'entraînement, un peu comme les chats. Je ne sais pas, je vais la Alors, une coopération immorale. Alors, ça paraît dans le documentaire que j'ai vu le jour, alors, ouais, je l'ai déjà gagné l'histoire de la prise, mais avec le rare, c'est mieux. Il y a la vidéo, il faudra que je la poste. On voit la vidéo de l'expérience avec la patte dans la main. En fait, j'ai fait un test avec des chiens. Pour voir à quel point les chiens ont un sens de la justice. Et donc, ils mettent deux chiens. Et il y en a un qui dit donne la patte. Claque, le chien donne la patte, il donne une récompense. L'autre dit donne la patte, le chien donne la patte, le chien roule. Et donc, du coup, deuxième chien, deuxième coup, il lui donne. Puis l'autre lui donne rien, il donne la patte. Donc, une quatre fois, le chien donne plus la patte. Et au bout de cinq fois, le chien s'aplatit, regarde, et refuse catégoriquement de participer à l'expérience. Puis, et alors que si. Vous ne le mettez pas en confrontation avec l'autre, il en a toujours la place sans récompense. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de récompense, ça se passait très bien. Et là, ça se passera plus bien du tout. Vous avez pas mal d'histoires comme ça au niveau de la coopération, de la truc, ce genre de choses. Il y a un chercheur japonais, je crois, qui racontait qu'un jour, il suivait une troupe de chimpanzés et qu'il avait mis son sandwich et qu'il y a un jeune chimpanzé qui, voyant cette espèce de climat, qui essayait de monter un arbre pour récupérer une banane, n'a pas du tout y arriver. En fait, le chimpanzé s'est distancé par la troupe, il est monté à l'arbre avec les bulles et ramené un truc à manger. Et la coopération existe vraiment. Il y a tout le monde qui dit un animal handicapé dans la nature va être abandonné. C'est faux. C'est très faux. En général, il y a des cas comme ça de jeunes, c'est des macaques, je crois. Ouais, des macaques qui avaient un syndrome proche de la trisomie. Et la troupe, là, vous avez l'histoire de corbeaux comme ça qui se soutiennent mutuellement. Quand il y en a un qui est blessé, qui le soutient pour l'emmener. Très bon, qui s'appelle Keith of the Frog, et il nous raconte plusieurs histoires comme ça de oiseaux qui cèdent, des histoires de poissons comme ça qui se prennent dans les mots. Ce qui est intéressant surtout, c'est que la morale, à la base, est en rapport direct avec justement l'égalité et l'équité sociale. C'est une vidéo qui vient de. Ouais, elle est très très bonne. Hans de Waal, un des plus grands climatologues au monde actuellement, et qui fait justement énormément de travaux sur l'empathie. Je ne vais pas m'étendre dessus parce que c'est très compliqué comme truc. Il vaut mieux aller voir les travaux de Hans de Waal qui sont vraiment très intéressants. Hans de Waal, Hans Kelter, MS, Waal, W, A, A. Oui, c'est ça. Et donc, l'expérience qu'il a montré, on va voir deux femelles qui n'ont jamais été soumises à l'expérience. Et c'est une expérience qui est dite du bien. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il y en a plus, on va lui donner un cahier. Voilà, il écrit que la morale, c'est l'empathie et de la réciprocité. Donc, ce qui va se passer, c'est que la première, on va lui donner un cahier. Donc,
Le but, c'est qu'elle rend le crédit, et en échange, elle donne une récompense. Et donc, au début, on fait ça avec les récompenses, mais ça s'en fout, les récompenses, ça se passe très bien. Il va donner un crédit. La créateur va récupérer, il rentre, et ça fait le donneur. Et ensuite, il peut faire en revanche la même chose avec une autre mettre dans un tiers à côté, mais elle, on donne des grands besoins. For the task, the two monkeys side by side, they're perfectly willing to do this 25 times in a row. Cucumber, even though it's really only water in my opinion, the cucumber is perfectly fine for them. And if you get the bark in place, the food preferences of my twitchy monkeys correspond exactly to the prices in the supermarket. And so, if you get them where you set the far better food, then you create an equity between them. So that's the experiment we did, and I'm going to show you a little videotape of this. Basically, the videotape is new monkeys who had never done the task. They did thinking that maybe they would have a stronger reaction, and that turned out to be right. The one on the left is the monkey who gets cucumber. The one on the right is the one who gets grapes. The one who gets cucumber, note that the first piece of cucumber is perfectly fine. The first piece he eats. Ça va très bien gueuler, ça peut travailler aussi. So she gets a rock to us, that's the task. And we give her a piece of cucumber and she eats it. The other one needs to give a rock to us. And that's what she does. And she gets a grape. And she eats it, the other one sees that. She gives a rock to us now, gets again a cucumber. She tests the rock now against the wall. She needs to give it to us. She gets cucumber again. Donc après vous avez des sociétés chez les gars, ça va être plus ou moins développé. Il y en a où la réciprocité va être extrêmement importante. Chez les Capucins, c'est vraiment le cas. La réciprocité est très très importante. Ils ont des jeux de confiance hyper malsains entre eux d'ailleurs. Mais vous en avez où ça sera un peu moins important, ça dépend beaucoup des sociétés dans lesquelles vous êtes. Mais cette notion de ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, est très très importante, comme on disait par exemple dans le jeu, la notion de bien dommage, de ce qui est accepté, ce qui n'est pas accepté. Et pour toutes les espèces qui jouent, on retrouve ce truc-là. Il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont mal. Et on va attaquer la dernière partie. Alors, dernière partie, c'est bien fini. Alors là, je vais parler des sociétés, je ne peux pas décrire toutes les sociétés pour imaginer le nombre d'espèces qu'on a en train de couvrir. Je vais juste prendre des cas un peu particuliers. Par exemple, on a les chicas, qui sont aussi de la famille des corbinets. Les chicas, un peu comme les corbeaux, ils ont des grands groupes. Et ils ont des organisations qui sont assez complexes. Par exemple, vous avez, comme on retrouve chez certains primates, des policiers chez les chicas. Vous avez des chicas, quand il va y avoir une bagarre, les chicas, c'est eux qui vont intervenir. La plupart du temps, ça va être le leader. Alors, il faut comprendre tout de suite de quoi on parle. Vous avez peut-être entendu parler de mal-alpha, de... C'est n'importe quoi. Alors, on va tout de suite démonter ça et voir d'où vient cette notion de mal-alpha. Au tout début, j'ai fait des recherches sur les loups. Ils avaient besoin de justifier une espèce de darwinisme social, de hiérarchie, de, il faut que les gens dirigent pour pouvoir justifier la domination chez les humains. Et donc, la première recherche qui a été faite sur la hiérarchie chez les loups, il y avait une demande expresse de montrer qu'il y avait ce genre d'organisation chez les loups. Par conséquent, ça a été visé automatiquement. La clique sociale chez les loups n'a rien à voir. Et ça a encore été démontré. Je ne vais pas sortir de pied, il n'y a pas de problème. Les loups, à la base, vous avez un peu. Ce qu'on va appeler le mal alpha, la femelle alpha, c'est un peu. La domination qu'ils ont sur les autres, c'est la domination de vos parents sur vous. C'est la domination de votre employeur sur vous. C'est la domination que vous pouvez réfuser à n'importe quel moment, sauf que ça vous enculera socialement. Mais ils ne sont pas soumis, genre, je suis à la vente et je m'écrase devant. Alors ça va dépendre, vous avez des sociétés plus ou moins sympas, vous avez certains macaques avec des harems, vous vaut mieux pas être chez eux, parce que là, vous n'avez vraiment pas de liberté du tout. Mais vous en avez, enfin, ça se passe pas du tout de manière aussi ferme que ça. Et chez les loups notamment. Les loups interdisent une famille avec les petits, et les petits, et les petits, et les couples des petits qui arrivent. Et puis par moment, bah, quand jamais il y a une dissension qui se fait au sein du groupe, il y en a un qui part et puis qui va les fonder, d'autres vont être plus loin. Des fois, ils vont accepter des loups solitaires, mais souvent, c'est un jeu familial en fait.
Donc, chez les Judas, ce que je disais, il y avait une anecdote apparemment qui était racontée par Thomas Dorrance aussi, où, pour vous donner une idée d'à quel point ils comprennent les relations sociales qu'ils ont, vous avez une hiérarchie à la demande qui était organisée, et puis un jour, il y a un jeune homme qui passe. Parce que ça, c'est assez fréquemment, il y a beaucoup d'oiseaux. Enfin, il y a beaucoup de sociétés qui sont en fusion-fusion. Vous avez des gros groupes qui se créent, qui refont des petits groupes, et des individus qui partent, puis qui reviennent. Et donc, ce jeune oiseau disparaît. Et puis, 3, 4, 5 fois plus tard, il revient. Mais il revient adulte et costaud. Et donc là, s'ensuit 24 heures de bagarre interminable avec le chef qui était en poste jusque-là. Et le lendemain, le camarade Lorenz a assisté à la fin du combat. Et le lendemain, il leur donne à manger. Et puis là, il voit l'ancien maître, donc le dominant, qui se pointe. Enfin, qui se pointe devant. Et là, il y a une femelle qui, le jour d'avant, était la subalterne possible. Elle était tout en bas de la hiérarchie. Et elle se pointe, et là, il y a une posture d'intimidation en malade. Qui s'abaisse, qui s'égarde et qui la laisse manger devant lui. Donc là, camarade Lorenz s'est dit, bon, bah, en fait, ce qui s'est passé hier, c'est que ça a complètement déstabilisé la hiérarchie, ça ne peut plus vous en sortir. Bon, ils savent très bien où ils en sont. Elle venait de se maquiller avec le nouveau chef. Et donc, mais je vous laisse imaginer ce que ça veut dire. Ça veut dire que le jour d'avant, elle était en bas de la hiérarchie, il fallait qu'elle laisse tout manger. Et là, elle savait que par sa relation avec le nouveau qui venait de prendre le pouvoir, elle venait de prendre le pouvoir sur l'autre. C'est extrêmement complexe comme raisonnement. Et d'ailleurs, chez les Chukas, très souvent, c'est le mal dominant justement qui va calmer les conflits. Dans le groupe, c'est à lui de garder la paix. Donc, souvent, c'est ça dans les groupes, quand vous avez un groupe ou un dominant, c'est souvent ceux qui apaisent les situations. Il faut savoir que c'est jamais, presque jamais, la violence que se font les hiérarchies. C'est presque toujours au réseau. Et ceux qui sont donc des teams, qui mènent. Par exemple, si vous êtes un chimpanzé, si vous n'êtes pas copain avec le chef pour vous reproduire, mais si vous êtes copain avec le chef, vous autorisez à vous reproduire de temps en temps. Si vous faites partie de ses supporters, si vous êtes un espion qui vient régulièrement regarder, il a trouvé de tromper avec le chef. Ça va avoir du succès. C'est beaucoup, beaucoup de systèmes de réseau. Par exemple, on sait que les corbeaux perturbent les relations quand ils voient que l'un des deux sont en train de sympathiser et qu'ils peuvent devenir dangereux en groupe par rapport à lui. Mais en fait, ils vont se mettre au milieu et déstabiliser la communication entre les deux de manière à éviter qu'il y ait ce lien qui se crée et qu'ils viennent perturber leur position hiérarchique. Au risque de se faire des deux même. Enfin, c'est complètement vrai. Vous avez déjà donc des. Au niveau interspécifique, un autre lieu, c'est ça, que vous connaissez peut-être, c'est la chasse coopérative entre la murène et les murs. Ce sont des poissons des récifs coralliens. Et donc les murs, on n'a pas l'impression d'être sur photo, c'est une belle bestiole le murs. Et donc les murs vont chasser des poissons, et les poissons rentrent dans les récifs coralliens. Sauf que quand vous êtes une bestiole de 30 kg, pour entrer dans les récifs coralliens, il faut y aller au bout de 12 heures. Donc qu'est-ce qui se passe, les coques à le faire. Donc on peut attendre toujours un petit peu, mais c'est bon. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous avez des mémos qui connaissent la zone, qui savent contrôler sur les murelles, et qui en plus sont capables de les classer par ordre d'efficacité. Ils vont aller exactement l'entre des murelles, ils vont commencer une danse avec des mouvements du corps un peu grotesques. Là, la murelle sort, et elle va choisir si elle accepte de partir à la chasse avec le mur ou pas. Et à ce moment-là, ils vont partir, et là, on a cette photo-là, ils vont partir côte à côte, ce qui est facilement fait deux espèces différentes. Et ils vont partir côte à côte, et parfois en se touchant les flancs, ce qui est vraiment un gage d'intimité très très proche des poissons. Et ensuite, la murène va rentrer à l'intérieur de la cible coralliens, mais où attendre à l'extérieur. Vous savez, il y a des poissons aussi qui ont des organisations de chasse, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va rabattre les poissons, et les autres qui vont fermer toutes les sorties de la cible coralliens, qui vont rentrer. Ils ont des organisations, des ordres. Et puis, vous avez quelques, parce que tout le monde le connaît, parce que c'est un bon frère. Et si vous ne les connaissez pas encore, c'est le Alors, le poisson que vous avez là, c'est un ballon nettoyeur, c'est un poisson qui se nourrit des parasites d'autres poissons et également des pendants. Donc, ils ouvrent ce que les chercheurs appellent des stations de lavage, où, donc, sur des petits territoires, ils s'installent sur un petit territoire, les poissons viennent et ils viennent se faire nettoyer par le lard. Les lards fonctionnent en général en arrêt, vous avez un mâle avec des plus femelles qui tournent. Et qui travaillent. En général, eux, ils vont travailler sur un très gros poisson. Ils bossent avec la femelle la plus grosse. Je ne sais pas pourquoi, pour avoir. Et vous avez en gros plusieurs types de clients. Déjà, vous avez des clients qui ont un tout petit territoire et qui ont une station de lavage. Et puis, vous avez des clients qui ont un grand territoire et qui peuvent faire jouer la concurrence. Et ils le font. Donc, ce qui va se passer, c'est que si vous êtes résident et que vous n'avez que votre carte de nettoyage pour ici,
vous en avez un autre qui peut faire jouer la concurrence, et bien vous pouvez être à peu près sûr que là, il va falloir passer celui qui peut faire jouer la concurrence avant vous. Et ça, ça marche à chaque fois. Et il y a aussi, là, on fait attention à sa réputation. C'est-à-dire que si jamais il triche et qu'il meurt, parce que les poissons ont du mucus, ils sont beaucoup plus nutritifs et que là, ils aiment beaucoup plus. Donc le lard, on a tendance à tricher et à mordre la peau. Si le lard est mort et qu'un bon poisson qui a le foie observe, il va se barrer dans une autre façon d'avaler. Donc si je veux que ça ne trichera pas. Et puis après, vous avez différents poissons. Vous avez les poissons qui peuvent lui faire du mal, et vous avez les poissons qui ne peuvent pas lui faire du mal. Vous avez les prédateurs et les autres. Et là, nous ne tricherons quasiment jamais avec les prédateurs. Et s'ils trichent, très rapidement après, ils ont une technique de massage avec les nageoires pour calmer les prédateurs. Alors qu'avec les autres vont les poursuivre et punir le lard en plus pendant un certain laps de temps, et le lard va se souvenir de cette interaction. Et quand le mec reviendra plus tard, le poisson reviendra, il va avoir un nettoyage 4 étoiles super clean cette fois-ci. J'ai cru, je ne sais pas si je trouve, qu'il y a des poissons qui vont jusqu'à imiter les larves des nettoyeurs pour aller en fait. Avec des grenouilles, une autre espèce, je ne sais plus, et une pieuvre.
Et donc, j'ai deux terrariums et un aquarium. Et en fait, les deux terrariums, il n'y avait rien dessus. La tueur, il y avait des gros conspectos, avec deux grosses pierres dessus. Histoire de bien comprendre que la pierre va se séparer comme une fois avant. Et vous aviez une histoire comme ça, je ne sais plus quel aquarium il était. C'était un drap, je crois, je suis sûr. Et en fait, c'est un couple qui s'appelait Otto. Et qui était extrêmement destructeur, c'est-à-dire qu'il y avait un spot qui l'a volé dans son aquarium. Et il s'est rendu compte qu'en montant sur un certain dispositif, il pouvait cracher dessus et chuter dans le spot. Et donc, en fait, il provoquait des blackouts de l'aquarium très régulièrement. Et il était, il vivait avec d'autres espèces et régulièrement, il remettait complètement en ordre tout l'aquarium à la détresse complète de tous les autres qui habitaient dedans. Il réorganisait sa chambre, quoi. Et en même temps, il jonglait avec des crânes. Il y en a un autre, là c'est en Allemagne, qui a démonté le système de recyclage d'eau, qui avait passé le flou par-dessus l'aquarium. Et quand ils sont rentrés le lendemain, ça faisait 10 heures, le truc qui flottait. Donc il y avait. La plupart des espèces d'aquarium ont failli mourir parce que, en fait, il y avait saturé. Et dernier cas que je trouve fascinant sur l'adaptation à un changement, pas fascinant. C'est ça, donc là vous avez un poids sensible. Vous allez me dire, oui, bon, il n'y a pas de choses intimes. Ah, je n'ai pas dit. Non, je vais aller vidéo. Ah, il a supprimé par erreur, en fait. En fait, ils ont. Donc, ça, c'est des poissons pour balader. J'ai plus la photo, mais en fait, c'est un bidon. Ça s'appelle pas un poisson qui va courir. Et en Afrique du Sud, ils ont fait un barrage, enfin, à la artificielle. Ils ont mis deux poissons tigres dedans. Et le problème, c'est qu'ils ont mis beaucoup de poissons tigres. Les poissons tigres ont décimé tout ce qu'il y avait dans le truc artificiel. Et ça ne se renouvelle pas. Donc, ils n'ont plus rien à manger. Et alors, je suis vraiment hyper dégoûté de faire la vidéo, parce qu'en fait, les poissons tigres ont modifié leur comportement. Commencez à chasser des oiseaux. Vous avez une vidéo, vous avez une hirondelle qui vole à Rano, et vous avez un poisson qui saute et qui attrape l'hirondelle. Et s'est rendu compte que les gros poissons tigres qui ont un plus gros besoin d'alimentation en fait, ont développé au fur et à mesure cette technique. Et c'est complètement dingue parce que, encore une fois, c'est deux éléments différents. Ça n'appartient pas à leur comportement d'origine et c'est pareil, il faut gérer la réfraction de l'eau. En plus, ils utilisent différentes techniques pour les attraper. Enfin, c'est extrêmement stressant comme adaptation. C'est un truc de 2014 qui a été fait. Et maintenant, la dernière partie. Parce que, eux aussi, ils ont une gestion de la mort très particulière. Donc, pareil, maintenant, ça s'appelle que les animaux n'ont pas de notion de la mort, parce qu'ils n'ont fait absolument rien, parce que quelque chose meurt, un animal meurt, tout le monde meurt. C'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Déjà, on s'est rendu compte qu'il y avait une odeur. Quand vous avez peut-être entendu parler des chats, c'est capable de dire la mort des chats. En fait, on s'est aperçu qu'il y avait une odeur qui se dégageait au moment de la mort, ou un peu avant la mort. Puisqu'il y a certains insectes qui fument la mort, et on s'est rendu compte qu'ils libéraient ce cocktail chimique à ce moment-là. En plus, ils balançaient cette odeur. On pense qu'il y a une odeur de la mort. Et donc, j'en ai déjà parlé pour le voir, mais il y a beaucoup d'histoires. Alors là, vous n'avez aucune étude dessus, c'est que du récit, mais c'est du récit scientifique. Par exemple, celui sur les renards, c'est Marc Bekoff qui racontait qu'il avait observé un renard qui s'était fait tuer par un poucard devant chez lui, et que le lendemain matin, quand il était revenu, le renard avait recouvert la moitié de terre à l'air. Et donc il était un peu surpris, il est resté en planque, et il s'est rendu compte qu'il y avait une jeune femelle qui revenait de temps à autre, et qui lui remettait de la terre, et d'ailleurs, je pense que c'était la femelle de ce renard. Et il a vu plusieurs fois sur les choses. Il y a une histoire aussi, sur les loups. Il y avait une femelle très basse dans la hiérarchie qui était morte, qui s'était fait tuer par un tigre également. Et en fait, la meute a complètement changé de comportement pendant quasiment 2 semaines. Ils étaient tout seuls, ils hurlaient tout seuls, ils hurlaient en groupe, ils étaient tout le temps la queue entre les pattes et ils revenaient systématiquement à l'endroit où elle était morte. Ce que je pense qu'on trouve chez les orques aussi. Il y avait une histoire comme ça d'orques dont la mère était morte et les deux fils revenaient systématiquement là où la mère était morte pendant plusieurs jours derrière. Vous avez Stéphane Google qui a raconté l'histoire d'un jeune primate, je crois, c'était, dont la mère s'était tuée et qui s'est assis sur la branche où sa mère avait l'habitude de rester et qui s'est laissé mourir de faim à ce moment-là. Vous avez une autre histoire qui a été. Des hérissons.
En fait, les visons étaient conçues par des loups. Et il y a un bison qui rentre. Vous voyez les rochers américains, les rochers américains, c'est pour ça qu'il était fendu au milieu. Et donc le bison est rentré, il y a un autre bison qui est rentré au milieu, probablement en disant, bah, comme ça, on va gérer devant et derrière, pas les côtés. Donc, manque de bol, c'est vraiment sans biche dedans et s'est fait tuer, oui, c'est pas. S'est fait tuer à l'intérieur de ce truc-là, donc il y a plus en partout. Donc les loups ont fait ce qu'ils avaient à faire, et ensuite les scientifiques ont pu récupérer les ossements pour faire des analyses sur les ossements. Et là, ils se sont retrouvés encerclés par le truc. Sur la pointe du pied. Et là, les bisons sont restés à vérifier le sang et ils sont passés à travers cette fente, tous, l'un après l'autre, en chien indien. Jusqu'à ce qu'ils partent au pied, c'est pas du tout pourquoi ils ont fait ça, ils pourraient avoir un tournoi très pragmatique et très bête. Mais en tout cas, enfin, il y a eu ce comportement qui s'est. On l'a également chez les éléphants. On sait que le cimetière d'éléphants, ça n'existe pas. Mais en revanche, les éléphants, quand vous récupérez les ossements d'un proche, il y a plusieurs scientifiques, notamment Joyce Poole, qui racontent qu'en récupérant des ossements, c'est pas rare que le troupeau d'éléphants revienne chercher des ossements. Je vous laisse imaginer le troupeau d'éléphants qui revient dans votre zone de travaux pour récupérer des ossements. Vous avez aussi, quand vous avez une matriarche qui décède, il n'est pas rare que vous ayez d'autres membres, d'autres troupes qui viennent sur le cadavre de la matriarche. Vous avez, alors là, ce qu'on voit ici, c'est une femelle de pain avec un nouveau-né qui est mort depuis quelques jours et qui ne lâche pas. Aussi, il y a quelques mâles qui gardent leur nouveau-né pendant un certain laps de temps. Qui ne lâche pas. Et il y a beaucoup de témoignages sur les corvidés aussi. Alors, ce qu'on va voir ici, c'est pas ça. Mais j'ai vu voir un témoignage sur des trucs comme ça où un corvidé meurt, une pie, un cerveau, et notamment avec une pie. Et vous en avez qui. C'est assez loin, ils prennent des morceaux d'herbe, reliés les pousses en morceaux d'herbe sur le cours de la vie. On le retrouve à beaucoup d'instances de ça. Et les cordes aussi. Et donc là, ce que je vais vous montrer, c'est la même question. Environnemental, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, qui est supérieur, ça n'a plus aucun sens en fait.
n'a pas de sens parce qu'ils sont très efficaces dans le milieu de vie qui est le leur. On est très efficaces dans le milieu de vie qui est le nôtre, peut-être trop la vie. Et en fait, on peut, enfin, il est complètement logique de les considérer comme des sujets et comme des individus à part entière parce que c'est le cas. Et en fait, cette espèce d'idée de parler d'intelligence animale comme je le mets là, ça ne veut rien dire de parler d'intelligence animale, c'est la même que la nôtre. Il n'y a pas de frontière entre l'intelligence animale et l'intelligence humaine, c'est la même chose. Je pense que même en tant qu'animal, c'est des choses qui souvent sont oubliées. J'espère que ça vous aura permis d'avoir un bagage de connaissances pour pouvoir faire la route derrière si vous avez des questions. Pour ce sujet, voilà une petite chose. Merci beaucoup. Vous aurez, sur la vidéo que j'avais fait à l'époque, vous aurez, ils ont mis le lien de la bibliographie de la conférence initiale qui est, c'est 80% celle-ci. Vous avez 9 heures de bibliographie, je ne sais pas vous ajoutez. Si jamais vous avez des questions plus sur la bibliographie, ou si j'ai des poissons, des trucs d'insectes, vous pouvez me demander directement par Facebook ou un truc comme ça, je ne sais pas quoi. Donc, dans les livres qui peuvent être intéressants en vulgarisation, vous avez une personne, Christelle, qui commence à l'aider un peu, mais qui reste personnellement un bouquin qui m'a vraiment marqué, qui déconstruit le propre de l'homme. Aujourd'hui, Christelle est sur le document animal, Marc Bécoff, les émotions des animaux. Donc, Kieran Pepperdine, on en parlait tout à l'heure, Alex Amy. J'ai rajouté Gordon Burgard, Genesis of Animal Play. Donc, ça, c'est en anglais, les deux sont en anglais. On va aller transmettre. Gift of the Frog, qui parle un excellent, excellent français. France de Val, Reste de l'Empathie, j'ai pas lu les derniers, mais il doit falloir que je trouve aussi. Les théories de Goodman, je n'ai pas posé la question. Et tout à l'heure, on va parler d'un autre livre. Oui, c'est pas scientifique du tout, c'est peut-être épuisé en plus, bon, il faut peut-être retrouver l'édité. Et ça s'appelle Un homme parmi les loups, on en a fait un film. Et je crois, mais j'arrive pas à voir vraiment, ça s'appelle de Follet Montmartre, F-A-W-L-E-M-O-A-T-E. Et c'est un homme qui est en mission à son but pour prouver que les loups sont coupables, responsables et coupables de la mort des caribous.